they said. But you can quit. That your chances are low. That you'll get. Hey, salut à tous! Oui, j'ai un peu de retard. J'aurais dû en fait mettre 23h, ça aurait été plus raisonnable comme heure. Hein. Bon, j'ai un peu mis de temps. J'étais occupé, hein, je suis désolé. J'avais des choses importantes à faire. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Là est la question. Là, c'est rigolo, ça, on voit la souris. T'as dû masquer toutes ces conneries. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est un live, hein, on va pas se prendre la tête, hein. Alors, normalement, les touches sont bien réglées, hein, voilà. Alors, est-ce qu'on m'entend bien sur le... Alors, je vais quand même voir s'il y a du monde. On sait que tu n'es pas rentré ponctuel. Mais normalement, je suis ponctuel, enfin, j'essaye de me débrouiller, en tout cas. Mais, voilà, bon, là, j'ai un peu une mal. Ah, ben, c'est cool, alors, si on m'entend nickel. Alors, j'espère qu'on m'entendra mieux que le... Vu que le son du jeu, enfin plus fort que le son du jeu, de toute façon je paramétrerai ça, hein, sur le live. Alors pourquoi j'étais en retard? Parce qu'en fait, bon, moi j'aimais le foot, du coup j'aurais le foot, et comme j'aimais l'OM, du coup j'aurais des l'OM. On a gagné 6-0. Du coup je suis de très 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 bonne humeur. Et ça me rend très enjoué, et je suis très très heureux. Hein. Donc du coup je commence un live déjà en très 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 bonne humeur, hein, et c'est tellement mieux pour vous déjà. Hein, c'est voilà. Voilà. On est tous très contents, hein, on est tous très heureux. Voilà, allez l'OM, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, alors, j'ai vu de finir quelques paramètres, quelques réglages. Alors c'est un live vraiment, voilà, hein, on fera tout n'importe quoi. Vous pouvez parler sur le chat, vous pouvez poser des questions, j'y répondrai, FAQ si vous voulez. C'est quoi cette... Ah, il y a une démo qui se lance, tiens. Bah, ça sera l'occasion de me dire si vous m'entendez... Si vous m'entendez mieux que le jeu, hein, parce que c'est pas moi, parce que moi je marche jamais comme ça là. Alors on va essayer. Alors, je connais à peu près bien le jeu. À peu près bien. Je l'ai fini, j'ai dû le finir deux fois, je crois, ce jeu là. Ouais, une fois, deux fois. Mais bon, j'ai tellement vu de let's play, de speedrun, d'Hero 3 que. Voilà quoi, je. Non, ça devrait être pénard, ça devrait être bon. Alors je me suis mis dans l'ambiance, je suis dans le noir, là vous me voyez pas parce que j'ai pas de caméra. J'aurais peut-être dû le faire, tiens. Alors c'est cool, alors c'est le son à l'air bon. J'ai en train de regarder, alors, normalement ça va, l'envoi a l'air correct, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, du coup tout va bien. Donc oui, je me suis mis dans l'ambiance, je suis dans le noir, mais un jour. Sans déconner, un jour je ferai une facecam. Un jour. Par contre, la musique est plus forte. Bah oui, alors attendez, bah, je vais baisser ça alors. Donc tout n'est pas parfait, hein. Si on me dit que... J'ai perdu l'émulateur, là, il est là. Donc tout n'est pas parfait. Le son est peut-être un peu trop fort par rapport... Alors attendez, je vais régler ça, ne vous inquiétez pas, hein, n'ayez pas peur. Hein. Je vais faire une save state sur le menu, moi c'est fait. Si tu peux baisser un poil, ce sera parfait. Voilà, j'ai baissé un poil. Attendez, on va faire un petit truc, tiens. Je vais aller dans le mélangeur, ce que je crois savoir. Voilà, j'ai baissé un tout petit peu le son. On va mettre, vous savez quoi, on va mettre nouvelle partie. J'ai un peu baissé ça. Alors, qu'est-ce que je fais niveau facile et niveau difficile, sachant que je me... Bon, en fait, niveau facile, c'est vraiment très facile. Niveau difficile, je mettrai ça plutôt dans un niveau de difficulté moyen. Hein. Donc, c'est comme vous voulez. Voilà, j'avais dire... faisons-nous plaisir. Bon, j'attends vos commentaires, tiens. Facile ou difficile? Au moins ça me permettra... De... Bah ouais, difficile, ça m'étonne pas. ça me permettra de voir... Ça fait peur le mode difficile. C'est pour faire peur le mode difficile. Oui, voilà. J'ai du mal à lire, je suis désolé. Pourtant, attendez, je suis en train de... J'ai mis les lunettes qui sont dégueulasses. Hein. Je vais peut-être en profiter pour nettoyer avant de jouer parce que sinon je ne vois rien. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, en vrai, c'est oui, voilà, en vrai, c'est le mode normal. Hein. Donc, en fait, en mode facile,
On a une mitraillette, on a déjà le Magnum dès le début, enfin c'est n'importe quoi, quoi. On a trois sprays, on a un kit pour ranger des sprays du coup pour mettre trois. Du coup en gros ça nous fait comme si on avait un inventaire un peu plus gros quoi. Hein, voilà. Alors normalement je me suis dit tiens 23h doit y avoir du monde, hein, c'est encore les vacances, hein, la rentrée c'est dans une semaine pour ceux qui sont encore en cours. Moi j'en fous, je suis au chômage, du coup ça va, je. Pas court, moi j'ai arrêté, j'ai fini les études, hein, donc voilà. Maintenant faut se trouver un boulot, et quand t'es étudiant, bah, et voilà, c'est enfin quand tu finis tes études, c'est assez chaud pour trouver un boulot, malheureusement, qui correspond à tes études. Ouais, donc du coup, voilà, je peux faire des lives, c'est beau, hein, la vie. Hein. Alors, mode difficile, apparemment, mode difficile, c'est un peu, oui, voilà, juste un peu délicat. Alors, je vais essayer de faire un petit truc, alors je vais voir si vous voyez ça. J'espère que non. Alors je vais juste. Je sais pas s'il y a du monde sur Twitter qui me suit, mais vous savez quoi, je vais mettre un petit tweet. Hein, vous savez quoi? Hein, pour les tweetos, on va dire ça comme ça. Hein, venez, venez tous. Je sais pas pourquoi je. Je sais pas pourquoi je fais une imitation de très mal Nikos Aliagas. Alors, envoyer un petit tweet, vient de commencer sur Twitch, live, je sais pas écrire sans déconner, hein, c'est terrifiant. Voilà, alors j'ai pas le lien de la chaîne malheureusement, je vais peut-être envoyer aussi le lien de la chaîne, hein, vous savez quoi? Moi c'est fait. Ah, eh bien, bienvenue à Kira Lucifer, tiens, je connais pas. Voilà. Moi, ça permet de découvrir des gens. Elysia m'a retweeté, oui, je connais. Donc, du coup, j'avais un peu regardé son live hier, malheureusement, j'ai pas pu rester très 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 longtemps. Alors, si elle se connecte, si elle vient sur les, je lui dirai, et je m'en excuse. Hein. Voilà, on va. Ah, bah tiens, mais je viens de voir que tu m'as suivi sur Twitter, bah, ça me fait plaisir, tiens. Alors, j'ai quand même. Couper, voilà, ma page Twitch, parce que sinon ça fait un sale écho. On est parti pour le mode difficile. Alors normalement je rage énormément sur ce genre de jeu là. Alors j'espère que c'est pas très fort, honnêtement, dites-le moi. Je baisserai encore le son, j'enlèverai même le son s'il le faut. Je vais laisser une cinématique, hein. Est-ce qu'on laisse? Bah, vous savez quoi, pour moi on va laisser, je vais peut-être enlever la souris, tiens, parce que je viens de voir qu'il y a encore la souris qui traîne sur mon écran, c'est dégueulasse. Ça aussi, j'aurais peut-être dû masquer la souris. Alors, je suis sur X-Speed, normalement on devrait pouvoir le faire. Là c'est bon, j'ai trop. Ah bah c'est parfait, alors si on dit que c'est bon, je vous fais confiance, parfaitement confiance. Peut-être un peu rapprocher le micro de ma bouche, sans déconner, ça peut être encore un peu mieux normalement. L'optimisation de dive, c'est tout ce que je fais pas dans mes vidéos, ça. Alors le jeu normalement se situe, si je dis pas de conneries, parce que moi la chronologie des Resident Evil, alors j'adore la série Resident Evil, enfin la chronologie je m'en tamponne un peu, mais normalement ça se situe au même temps que Resident Evil 2. Ouais, normalement c'est ça. Et le 2 normalement ça s'évite du 2. Oui non mais j'ai pas le bouffé le micro, ça va pour le moment, il est pas très comestible, il est pas très bon. Il n'y a pas la mousse sur le micro du coup ça me fait moins kiffer. Donc normalement ça se situe au même temps que Resident Evil 2. À peu près. Et le 2 et le 3 doivent se situer pas très. C'est pas très éloigné du 1. Je sais plus. On a bien honnêtement, j'ai aucun. Je m'en souviens plus d'un. The Wall quelques heures avant le 2. Attendez. Le 3 se déroule quelques heures avant le 2 et 24 heures après le 2. Après le 1 alors non? Quelques heures ou 24 heures, si c'est 24 heures, c'est quelques heures en somme. Bon, c'est bien ça, donc ça situe pas très loin d'R2, donc au moins ça va. Oui, je kiffe les micros en mousse, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Alors, je veux pas dire, mais c'est quand même. Enfin, c'est joli, les cinématiques de synthèse. Moi, je kiffe bien, moi. Et cinématique du jeu, par contre, c'est un peu plus dégueulasse, hein. Un peu plus immonde. Mais bon, on verra ça. J'aurai le temps de cracher sur le jeu, hein. Ça,
C'est un jeu que j'ai jamais critiqué. Alors, attendez, je vais juste agrandir un peu moi, mon écran. Alors non, parce que non, je me suis un peu fait chier à acheter un micro, donc là, il y a très peu de temps. J'espère que le son m'a pas aussi bien. J'attends le remake du RE2. Alors, oui, j'attends le remake. Alors moi, je suis genre de mec à cracher sur les remakes, mais quand c'est du Resident Evil, je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Alors attendez. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas le truc, j'ai pas configuré correctement mon joystick. Alors oui, j'attends le remake de RE2, comme j'avais même aussi attendu le remake de sur PS4, le Rebirth. Et alors attendez, donc comment on court déjà? C'est rond pour courir, c'est bizarre ça. Carré pour le menu? D'accord, ok. Je me souviens pas trop des touches. Voilà, sur on l'esquive, hein. Et comme j'attends aussi, alors c'est pas vraiment des remakes en fait. Là, Resident Evil 0, ça c'est un portage, mais je l'attends aussi parce que j'y ai jamais joué. J'ai pas envie de me le faire sur émulateur, ça me, moi j'aime. J'ai pas encore enlevé la souris, ça m'énerve. Ça faut me le dire, ça, si j'enlève pas la souris sur l'écran. Donc le 0, je l'attends même si je sais qu'il est pas fameux. J'ai vu des vidéos et généralement je me faisais chier quand je voyais les vidéos de ce jeu-là. Mais le 2, ça a l'air d'un vrai remake. J'ai hâte de savoir à quoi ça va ressembler. Un jeu en plan fixe comme à la Resident Evil Rebirth. Alors je dis Rebirth, mais je suis très bien qu'il faut pas le dire, mais bon, je dis ça par commodité quoi. On comprend, hein, mais c'est jamais appelé Resident Evil Rebirth quoi. Ouais, donc j'attends. J'attends de voir. Mais je me méfie de Capcom, sans déconner, je me méfie de cette boîte là quoi. Moi quand je peux cracher sur Capcom, de toute façon je le fais, donc voilà. Oui, le 0 a l'air sympa, mais enfin, je vais pas critiquer parce que j'ai jamais joué, honnêtement. Mais des vidéos que j'ai vues, ça m'a l'air assez répétitif. Parfois, il y a des séquences où, bon, c'est de ce que j'ai vu. Du coup, je vais pas trop me mettre dessus, je vais pas trop exposer mon avis parce que j'aime pas trop donner mon avis sur les jeux que je connais pas. Mais il m'a l'air intéressant malgré tout. Du coup, je l'attends. En 2016, donc c'est pas très longtemps quoi, la fin de l'année là. Fin d'année, je le prends sur Steam et je vous fais un live, un speedrun en 1 heure. On est parfait quoi. Allez, on commence à jouer parce que ça commence à m'énerver. Oui, les mousses, c'est du RE à l'ancienne. Mais moi j'adore moi les Resident Evil à l'ancienne. J'adore. Je kiffe ça moi. Alors les. Oui, ben. Ça c'est pas faux, ça c'est le roi du remake. Alors. Si vous avez des conseils à me donner, bien évidemment, n'hésitez pas à me les donner. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Des balles de pistolet, ça c'est cool. Et des rois du remake, rois d'HD Collection. Et c'est aussi les rois du. Je refais un jeu en 4 exemplaires comme Street Fighter 4. Ou à force. Moi, Street Fighter, je me suis arrêté à Super Street Fighter et après ça a commencé à me gonfler quoi. Alors faut que je me remette là des comptes parce que là je suis complètement là dans les chaussettes, c'est n'importe quoi. Je vais aller récupérer ici, on a une clé à récupérer. Normalement j'ai plus. Ah si, j'ai encore de la place. Ça reste plus que Konami. Alors je vais déjà essayer de finir le jeu. Parce que honnêtement, je sais qu'il faut pas utiliser d'esprit. Mais moi je vise le rang E minimum. Je vais virer les instructions, je m'en fous. Ça prend de la place dans l'inventaire, mais c'est pas grave. Heureux, c'est de la merde. Alors, oui, non, mais non, non, non. Heureux, c'est pas de la merde, faut pas dire ça. Kit de munitions. Alors, je sais que on peut créer des balles améliorées dans le jeu. J'ai découvert ça il n'y a pas très, très, très longtemps d'ailleurs. Les merdes, là, le coup des balles améliorées. Je vais essayer de les faire. Si je dis pas de bêtises, c'est quand on. Du coup, je vais les garder. C'est quand on, normalement, quand on combine des poudres à 8 fois, je crois, avec le kit de munitions. Alors, j'ai pas les. Je vais poser le spray pendant que j'en ai pas besoin. Parce que je compte pas perdre de la vie pour le moment. Là, normalement, il y a un ruban encreur. Voilà. Alors, je vais jouer le jeu, je vais pas utiliser les save states. Hein, on va jouer le jeu. Je sais pas à quand je finirai ce live là.
mais on va essayer de faire correctement ça. Alors, ici, normalement, il n'y a plus rien. On est reparti. Dans mes souvenirs, c'était un peu moins fluide, c'était un peu moins difficile. Essayer de tuer les Médises pour récupérer. Ah oui, apparemment, on peut récupérer. Enfin, pas qu'apparemment, on peut récupérer des améliorations donc pour les armes. Alors, faut que j'arrête d'appuyer sur X quand je descends un escalier, parce que ça, c'est un vieux réflexe que j'ai de Resident Evil 2, parce que j'ai un tout petit peu joué il n'y a pas longtemps. Oui, je veux la jeter. Alors, ça, c'est un truc qui me gonfle dans Resident Evil, c'est le fait qu'on me demande de jeter la clé, mais. Putain. Sans déconner, quoi. Jette-moi ces clés qu'on n'en parle plus. Alors je vais essayer de le tuer. Honnêtement, je promets rien parce que moi je suis. Moi j'ai tendance à me chier dessus quand je vois Nemesis, donc bon. Et j'ai pas un skill extraordinaire quoi, donc bon. Non, on va partir par là plutôt. On va partir par là, parce que là je sais qu'on a une salle. Et on peut récupérer des trucs. C'est intéressant d'ailleurs. Alors attendez, comment on vise déjà? Ok, moi je me rends compte qu'en fait j'ai pas du tout mis la touche pour viser. Ah non mais j'ai pas. En fait j'ai pas configuré ma manette, c'est ça le truc. À moins que. Attendez. Comment? Ah non non j'ai bien configuré. En fait non, je me suis carrément trompé touche, d'accord. Oui, bon c'est pas grave, hein. Il est tard, c'est. Je vais essayer de les esquiver ceux-là. J'ai pas envie de les tuer dès le début, ça va m'énerver, ça me fait gaspiller des balles. Quoique. Ouais, en fait, j'aurais dû combiner les. Peut-être passer en fait, hein. Peut-être essayer de passer, je vais aller en force, hein, vous savez quoi. J'ai un truc à récupérer en bas, je vais y aller, je vais me dépêcher. Alors, ici, on a l'essence à briquet, ça c'est intéressant. Là, je suis déjà en faible, j'ai rien fait. Et là, on a surtout le fusil à pompe. Je sais plus où, si on a des balles de fusil à pompe dans le coin. Attendez. Je vais essayer de passer, je vais essayer de pas mourir ici. C'est n'importe quoi, j'ai déjà perdu, mais alors. Masse de vie, sans déconner. Bon, ça va, je suis encore. Ça va, il y a des herbes en fait là. Il y en a d'ailleurs qui s'est tapé un sale sprint sur moi. Ça, c'est une très 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 belle esquive, non! Non, bah, je suis déjà mort en fait. Bon, qu'est-ce que. Attendez, je pense que j'ai joué en facile parce que c'est n'importe quoi. Ah la tristesse du jeu, mais j'ai pas trouvé la touche pour remettre le menu, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait absolument n'importe quoi, vous savez quoi, j'ai fait une save service ici, hein, on va pas se faire chier. J'ai pas envie de jouer en difficile. Non, je vais jouer normalement, je vais jouer normalement. Il faut à tout prix que je récupère le fusil à pompe, du coup, en fait, je vais jouer, je vais combiner les balles, je vais reprendre des balles. Est-ce qu'on peut couper la scène cinématique? J'en ai posé la question. J'ai pas dû non plus, j'imagine, de configurer les touches Select et Start. Hein. Le rouge, c'est pas bon. Ouais, non, mais c'est pas bon du tout ça. On va se le refaire. On va se le refaire parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pris des balles. Au début, comme j'ai vu que j'ai pas trop de balles de pistolet, bah voilà quoi. Hein? Mais ça commence très bien, il faut toujours un. Faut toujours un fail en début de vidéo. Heureusement que j'ai rien fait quoi. Heureusement que j'ai pas du tout avancé. Oui, on peut couper, c'est juste que j'avais pas du tout à. J'ai un peu fait le con là pour le coup. Voilà, le gain de temps magnifique, hein. Ça c'est beau. Ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais pas du tout j'ai pas du tout assimilé les touches correctement. J'aurais dû me soigner. Ouais.
Bon, c'est pas grave. Je vais garder un spray sur moi, je vais pas viser le rang. Je m'en fous, quoi. Moi, je termine le jeu ce peinard, hein, et ensuite on essaiera de viser un truc assez. Enfin, on essaiera de viser un truc. Hein. Mais justement, je pense que c'est ça, c'est parce que en fait, je suis trop bonne. Bien que, enfin, je trouve que Jill dans le jeu a une phase de paix, mais bon, ça c'est mon avis, hein. Enfin, moi, je la trouve dégueulasse, donc. C'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon genre du tout. Allez, on repasse ça, on repasse ça. Je vais garder donc. Je vais garder. Le kit. Le kit de munitions. Alors DRJ qui n'est plus une star, hein, mais Nemesis par contre c'est pas mis à jour dans le jeu puisqu'il chasse les stars. Va falloir que je compte. Voilà, on a créé un kit de munitions, un deuxième kit. Alors normalement, si je dis pas de conneries non plus, plus on crée de munitions, enfin plus on crée de munitions avec le kit et plus on en a. Ça c'est de ce je me souviens ce dont je me souviens. Ouais, peut-être que je fasse aussi des phrases un peu en français. Bon, c'est pas mal déjà, une mort au bout de, ben, je sais pas, hein, 10 minutes, 5 minutes de stream, c'est pitoyable, hein, je sais, une mort, hein, j'ai même pas vérifié que j'avais bien estimé. Le pire c'est que j'ai bien réglé derrière les touches, mais en fait ça se met pas du tout à jour quand je coupe l'émulateur, parce que évidemment je suis pas sur un sur ma console, j'arrive pas en fait à. J'ai que l'image et pas le son. Quand je fais un stream de ma PS2. Bon, je peux aussi stream de ma PS4 directement, ça c'est pas un souci. J'avais déjà fait des streams de Resident Evil, de Resident Evil HD Remaster. C'était sympa. Peut-être qu'un jour je ferai Révélation 2. Qui est pas si pourri que ça d'ailleurs. Hein. Qui est bien sympa, Resident Evil Révélation 2. Qui a un scénario de merde, faut bien le dire, mais. Bon, en fin de compte, ça va, ça. Ça se joue. Alors, on va essayer de ne pas mourir ici, donc. Voilà, merci. Putain de script qui se lance pas. Alors, normalement, quand il meurt, hein, on voit une tache de sang sur le sol. Bah, je suis pas le seul à avoir aimé Révélation 2. Le bain aussi était sympa. Alors le bain je l'ai fait sur uniquement sur DS, sur 3DS. Et pour vous dire, sur 3DS, le jeu est quand même bien sympa. Bon, en même temps, les scènes de Resident Evil, pour moi, j'ai toujours. Je n'ai plus blairé les scénarios des Resident Evil, hein. J'ai toujours trouvé ça nanardesque au possible. Le pire c'est qu'ils en ont fait des films en plus sur cette daube. Et ça c'est le pire qu'on pouvait faire, c'est faire un scénario, enfin un film sur Resident Evil. Ça je pense que c'était le pire qu'on pouvait faire. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais trop aimé les films de zombies. Hein, moi je ne supporte pas ça. Voilà, lui on se le finit. En fin de compte, voilà, je me suis beaucoup mieux débrouillé tout à l'heure. Hein. Donc on récupère, voilà, l'essence fabriquée. Ça c'est pas grave, ça m'arrange. Hein. Je vis totalement à côté, mais tant mieux, j'ai une aide à les viser. Non, faut pas cracher dessus parce que c'est quand même pas non plus le jeu le plus maniable au monde. Alors normalement, voilà, ici j'ai personne, je ne suis pas mort. Alors je vais essayer de récupérer parce que je récupère une herbe là. Je vais en prendre une. Je vais en prendre une et je vais laisser celle-là ici. Je reviendrai tout à l'heure si j'en ai besoin. Si j'ai besoin d'une herbe ou pas. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu aussi la combiner, mais bon. Là pour le coup, ça sert à. Bon, moi ça me sert pas en tout cas. Pour le moment. Ah là, lui, on l'esquive. Mais putain, mais parfois il se tape des sprints sans déconner, mais.
C'est n'importe quoi. Je pensais qu'il y avait un truc là-bas. Bonjour à Tristan Lorenz qui nous rejoint sur ce live. Ça fait longtemps, tiens, que je t'ai plus vu, toi. Il y a des herbes en haut, hein. Quelle année ce jeu? C'est 2000. Attendez. 99-2000, je sais plus. Je crois que c'est 2000. Faudrait aller voir sur Wikipédia. J'y peux, je peux pas, moi, voir sur Wikipédia parce que sinon ça va. Ça va me tout bousiller, mais. Ouais, je crois que c'est 2000. Allez. Eh, ça joue quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. On va le rejoindre, lui. Normalement, il s'est enfermé là. Et normalement. Ah, normalement, c'est à toi de te faire pardonner. Hein. C'est toi qui parle pas. Hein. Là, je vais faire mon feignant, je vais le laisser. Bah non, mais le jeu est beau quand même. Je suis désolé, les décors précalculés sont. À 99, voilà, merci. Merci Wiki. Heureux, avait un scénario, nana. Mais c'était bien fait. Ah bah là, je suis d'accord avec toi. Sur le sein de RE5 et RE6. Moi, le problème de ce RO3, c'est que je trouve qu'il y a que le scénario nanardesque, mais le pire, c'est que les acteurs sont médiocres. Enfin, je trouve qu'ils sont... Enfin, je n'arrive pas à les prendre au sérieux, ça m'énerve. Après, c'est un avis, hein, personnel, hein. Voilà. Bon, après, si c'est un avis, il est forcément personnel, j'ai envie de dire, mais... Je sais pas, moi, j'ai jamais pu... carte postale du Beffroi. Attends, on donne déjà la carte postale du Beffroi. Bon, je vais pas... Je vais pas lire les documents, ça sert à rien. C'est vraiment de la merde. Des balles ici, ouais, c'est ce qui me semblait. Non mais moi j'ai... Alors moi je vais être honnête avec toi, j'ai adoré Resident Evil 5. C'est même peut-être un de mes Resident Evil préférés parce que... Parce que Resident Evil 5 est fun. Quand je joue à Resident Evil 5, je m'éclate. Pas comme dans le 6 par exemple. Vous avez trois quarts. Enfin, sur 20 heures de jeu, honnêtement, il y a 14 heures qui auraient pu être virées, quoi, assez facilement. Alors, j'ai récupéré un briquet, je sais pas du tout ce que je dois en foutre du briquet. Attendez, je crois qu'il y a un cadenas à cramer quelque part. Non, merde, un peu me tromper. Là, il y a une porte ici. La porte de la boutique est fermée. Ça, je crois que c'est une. Il y a du monde là, non? Trop long, j'essaie de partir par là-bas plutôt. La boutique, normalement, ça permet de. Sinon, plus c'est inutile. Alors, si donc de choisir entre Silent Hill et Resident Evil, je choisis les yeux fermés, je choisis Silent Hill. Moi, je suis un fan de cette série. Plus que Resident Evil d'ailleurs. Je dois bien avouer que le jour où Silent Hill par Kojima et Del Toro a été annulé, je pense que c'était un des jours les plus tristes de ma vie, honnêtement. Non, papa brûler les zombies dans le jeu. Bah, avec un briquet, ça peut être terrible. Il y a eu deux grands jours dans ma vie, quand Silent Hill a été annoncé. Voilà, c'est pour les costumes bonus, il me semblait. Il y a eu deux grands jours dans ma vie, quand Silent Hill a été annoncé par Del Toro et Kojima. J'ai trouvé ça énorme. Et le jour il est annulé. Et là, je devais avouer que j'étais dégoûté. Vraiment dégoûté. Alors attendez, c'était moi où il y avait une innocente là. Là, il y a un baril, on peut les faire exploser, tiens. Alors je crois qu'il y a une touche pour. Ah, mais ça m'énerve ça. Il y a une visée automatique. Je peux même pas viser. Putain, mais... Surtout quand tu as fait Pity et qu'ensuite... Bah, moi, dans l'absolu, Pity, j'ai pas été... J'ai trouvé ça sympa, mais bon, j'ai pas... Ça, c'est, je m'en foutais un peu, c'était une démo. Mais le principe d'avoir Del Toro et Kojima qui s'associent pour faire un jeu, moi, je trouvais ça énorme. Attendez, est-ce que là, je reviens d'où, là?
D'accord, je suis là. Je vais essayer de pas trop me perdre non plus. J'ai récupéré un briquet. Je sais qu'il y a une porte à. Je sais qu'il y a un truc à cramer. Mais là, je reviens du début, là. Oui, je reviens là, je fais n'importe quoi, là. Va falloir m'aider, par contre, hein. Alors, je vais un peu lire les commentaires. Le 5, c'est la dynamique du 4. Oui, le 5 et le 6, oui. Le 4 et le 5, j'y. Putain, mais je l'ai tué, lui! Mais sac à foutre la casse, toi. Tu devrais jouer à Silent Hill. Il y a un Silent Hill d'ailleurs que je peux. Que je conseille à tout le monde. Il y a une porte fermée là-bas. Attendez. Il y a une porte que j'ai pas visitée là-bas, c'est tout en haut. Il y a un Silent Hill que je peux. Que je peux conseiller, c'est. C'est Silent Hill The Downpour. Que j'adore. À un point. Ah là-bas la porte est fermée, je peux pas la. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais sur le bon chemin tout à l'heure. Je me suis barré parce qu'il y avait trop de zombies. Mais non. C'est pas ça qu'il fallait faire. Je perds de la vie, c'est pas grave, j'ai plein d'herbes qui traînent dans la zone donc. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire. Oui, mais ça capote. Oui, mais là je joue. Là c'est pas une vidéo voilà, qui passe sur YouTube du coup. Du coup, je peux me permettre un peu des trucs. Donc, ouais, s'il y a un syndic que je peux conseiller, c'est Donne pour. Honnêtement. Bonjour à Elisia qui nous rejoint. Alors ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu que tu as retweeté mon tweet sur l'annonce de mon live et je suis vraiment content de te voir dessus, tiens. Ouais, Donne pour. C'est vraiment un jeu. Je lui trouve aucun défaut à ce jeu. Bon, à part le fait que ça rame mort. Moi je l'ai fait sur 360 et. Enfin, sans déconner, quoi, il y avait des lags de fou sur le jeu. Mais au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, au niveau de la durée de vie, au niveau des quêtes qu'il fallait faire, c'est vraiment un de mes survival horror préférés. Et si vous pouvez vous le trouver, alors le truc c'est qu'il est sorti uniquement sur PS3 et 360, il n'est pas sorti sur PC, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est un peu dommage d'ailleurs, le fait qu'il ne soit pas sorti sur PC. Mais voilà, faites-le, procurez-vous, achetez même. J'ai envie de dire, achetez-vous une PS3 pour ça, quoi. Mais jouez à Donne pour. Jouez à Donne pour, je vous le conseille. Après, si je peux conseiller des Silent Hill, bah, bien évidemment, faites le 2 et le 3. Hein. Faites le 2 en. Ah, bah tiens, il y a une carte est chic. Bureau des ventes, c'est quoi ça? Ah, faut peut-être aller là-bas. Ah, juste. On nous indique la. On nous indique la destination dans le jeu? Je m'en souviens plus. Hein. Voilà, pour revenir au Silent Hills, je vous conseille de faire le 2. Le 2 qui est tellement plus profond. Le 3, on est plus dans la. Vraiment dans l'horreur, j'ai envie de dire, j'allais dire dans l'horreur gratuite. Il est très bien le 3, hein, mais moi pour le coup, le 2 m'a vraiment. Voilà, on déverrouille la porte. Moi le 2 m'a vraiment emballé. Alors. Putain, mais sans déconner, mais il n'y a pas un endroit où je peux marcher tranquille. Voilà, merci. Un partenaire secret. The Room, je l'ai trouvé bof perso. Alors je suis d'accord avec toi. The Room, je l'ai trouvé bof. Sauf sur un point. Sur un point où j'ai été fan, c'est le scénario. Le scénario et la bande son. Le thème principal de Silent Hill The Room est magnifique. Homecoming, je pourrais pas trop dire, je l'ai fait vraiment. Est-ce que vraiment quand on n'entend pas le jeu? Alors si on n'entend pas le jeu, je vais l'augmenter, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez. Voilà. Attendez, je vais remonter le son du jeu alors si on n'entend pas. Bon, on me dit qu'on l'entendait tout à l'heure. Hein. Moi, je ne fais que. Moi, je suis soumis, moi, je ne fais qu'écouter le public. Putain, j'en ai pas tué assez là. Bon, attendez, je vais augmenter le son du jeu, vous savez quoi? On va juste. Buter les zombies, hein? Enfin, moi, je vais juste passer, je m'en fous en fait de les buter.
Mais j'ai pas envie de perdre de vie. Voilà. Ça c'est quoi? Ça de l'herbe rouge. Est-ce que j'ai encore de la place dans mon inventaire? Putain, j'ai pas de place dans l'inventaire. Mais non, je ne suis pas bon à jeu. Mais ça, il fallait... Ah bah oui, mais attendez, je vais... est-ce que là, je vire le... Là, je vais virer un truc, là, attendez, là. Révélation, pas le vin. Alors, attendez. Déjà. Essence abriquée. On va combiner ça avec ça. Ça me fait de l'espace. Je vais combiner l'herbe rouge avec l'herbe verte. Moi, c'est fait. Bah, le suicide catastrophique. Je vais être honnête avec vous, mais honnêtement, quand j'ai fait. Alors, attendez. Quand j'ai fait R aussi, j'ai quand même un tout petit peu pris. Ah putain, j'ai oublié qu'il y avait des chiens là. Sans déconner, saloperie. Putain. Je crois que j'ai oublié une herbe verte quelque part. Je reviendrai peut-être si je suis en manque d'herbe verte, mais normalement, je reviens plus. Alors, une salle de save. On est là, on est tous très heureux. Je pensais que la salle de save en fait se situait dans le commissariat directement, en fait non. Alors j'ai un peu lire les commentaires. Le problème comme coming et donc pour c'est que ça avait été assez utile, mais par ce temps. Oui, mais c'est un titre de pour par. C'est Vartra. 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 Je trouve, même s'il a été fait par des sous-traitants, est exceptionnel. Et je suis vraiment un amoureux de ce jeu. Je pense que c'est avec le 2 mon Saint Titan préféré, et les gens comprennent pas d'ailleurs pourquoi j'ai un tel engouement pour Saint Titan pour. Et mais ouais, jouez-y quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux. Il faut vraiment encourager cette série. Et je suis vraiment dégoûté par Konami, surtout, qui ont décidé de se lancer dans les jeux mobiles. Et j'imagine qu'MGS5 battra. Ouais, ça, j'ai dû mettre un R au mauvais endroit. Après, MGS5, ils ont décidé de se lancer exclusivement dans les jeux mobiles. Ouais. Et j'attends impatiemment MGS5, sans déconner, vous pouvez pas savoir à quel point. Sauf si vous l'attendez autant que moi. Mais on va poser le briquet, j'en ai pas besoin. Je vais sauvegarder ici. Je trouve ça pas répondre avec le downpour. Ça va, alors je me sens moins seul. J'ai pas de ruban ici offert. Mais oui, j'ai hors de ça des chiens dans les Survival Horror. C'est dans le 3. Alors dans le 3, c'est pas des chiens, s'il me semble. Il y avait des saloperies qui rampaient dans le 3. Dans l'hôpital. Et ça, c'était... ça, c'était une horreur. Oui, plus qu'une semaine avant MGS5. Ouais. C'est quoi cette merde? Oui, on va formater. Allez. Bah oui, mais je veux formater. Ah, j'ai peut-être pas formaté en fait alors. Ouais. Voilà. C'est parfait. Plus qu'une seule avant MGS5, on attend. Enfin, moi j'attends en tout cas. Je sais pas si vous êtes fan de MGS5. Enfin, de la série d'MGS, mais moi je suis à peu près fan de tout ce que fait Kojima. Je vous une gloire éternelle à cet homme, hein. Et à Shinji Mikami aussi d'ailleurs. Qui m'a bluffé dans The Evil Within. Ouais. Que je conseille aussi. Bon. Putain, ça dégouche. Eh ben c'est gentil. Ça me fait plaisir. Je vous conseille The Evil Within aussi d'ailleurs. En tant que cheval aurore. C'est du très bon. C'est vraiment du très bon. J'ai du mal avec les mecs dans les jeux vidéo, ça m'étonne de toi. Bon, c'est pas le même trip MGS, hein. Alors normalement il y a la... ouais, il y a l'arrivée de... Là il y a l'arrivée du Nemesis. Je vais pas le tuer, je vais me faire tuer. Mais pourquoi pas Devil Within? Alien aussi, je suis en train de me faire Alien en ce moment. Oh, ça va, j'ai rien dit, hein, ça va. Bah pourtant, faut l'essayer parce que c'est vraiment un jeu, moi, qui m'a... Attendez. Ah oui, il y avait un choix, c'est vrai.
Il y a un choix. Putain. Non, je veux pas rentrer dans le commissariat. On va attaquer le monstre, hein. On va attaquer le monstre. Putain, des skills de fou. Allez, ramasse ça. Le badge. Je sais plus pourquoi je récupère le badge. Je m'en fous, c'est pas grave. Je me casse, allez. Je m'en fous, c'est pas. Désolé, je le bats pas. Allez, je suis désolé, mais j'ai qu'un pistolet. Je suis en mode difficile. Je suis pas en mode normal. J'avais le mode normal, j'ai le magnum à la limite. Alors, Alien, c'est le bien. Alors, j'aime bien ce que le gars est même pas foutu d'ouvrir une porte. Ça prouve à quel point ce Némélie, mais c'est vraiment qu'une sous-merde, quoi, sans déconner. Voilà quoi, c'est. Il pourrit. Alors. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas prendre toutes les herbes, de toute façon, on va ressortir du commissariat, j'en prends qu'une. Pourquoi j'ai récupéré le badge? Je sais plus. Ah oui, il y a un code. Il y a un code, il y a des balles aussi. Alors pour ce qui est d'Alien, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué une demi-heure, je l'ai sur Steam, mais je l'ai toujours pas relancé parce que j'ai jamais encore pris le temps de m'y mettre. Mais des une demi-heure que j'ai fait, j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié, du coup, faudrait vraiment que je m'y mette dedans. Donc là, le commissariat qui est pas très 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 grand comparé à RE2, on va pas y rester longtemps ici. Alors, examiner, il y a un truc dessus. Une photo de Brad. Il faut je trouve moins charismatique que les femmes. Tu t'es arrêté à... Alors je me suis arrêté dans Alien. Je me suis arrêté au début en fait, j'ai rien fait. Alors, attendez, je sais plus tout ce qu'on fait là. 0131. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un code. Oui, il y a un coffre à ouvrir là-bas. Non, je me suis arrêté au tout début. Je me suis arrêté. J'ai même pas vu l'alien pour vous dire. Je me suis arrêté carrément avant l'alien. Donc j'ai rien fait, quoi. Voilà, j'ai marché. Mais oui, mais c'est ça. C'est. Faut pas dire qu'un jeu est. Moi, j'aime pas quand on dit qu'un jeu c'est de la bouse. Je préfère quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas un jeu plutôt que de dire que c'est de la merde. Voilà, c'est. Lui des abonnés. Non, mais moi, honnêtement, moi, ça fait. Je sais même plus combien de temps je fais des vidéos. Ça fait 5 ans. Honnêtement, je me suis jamais trop attaché aux abonnés. Attendez, j'ai fait ça pour un document, mais je m'en fous des documents, moi. Et le technicien est venu. J'ai vu ça sur un de tes tweets d'ailleurs, que le technicien était venu, ça m'a fait penser à un truc bizarre. Bon, lui j'ai pas le choix, je vais le buter. Bah non, bah je vais pas le buter en fait, un, deux. Putain. Excellent hommage à ce film. Alors, je vais peut-être me taper, mais j'ai jamais regardé un alien. J'ai jamais vu. Quand j'étais gosse, je me suis fait un alien sur PS1. Je sais plus ce que c'était parce qu'il était pas à moi, il était un de mes frères. Un de mes nombreux frères. Alors, attends, c'était 0131. Et je me souviens que le jeu était. 131, ouais. Je me souviens que le jeu était sympa. Après, Alien, j'ai jamais été un très 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 grand fan de la série, mais. Si le jeu me plaît, je pense que je pense que je me mettrai sur les films. Apparemment, il y a que le premier qui est un vrai film d'horreur. D'après les critiques que j'ai pu lire un peu partout. Mais oui, mais moi j'ai jamais trop pris le temps. Faut savoir que moi je suis pas. Faut savoir que moi j'ai jamais été un très 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 grand fan des. Je sais pas comment j'ai fait ça, c'est super. J'ai jamais été un très 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 grand fan des films d'horreur. Alien, c'est un film. Bon, moi je connais encore, ça va, mais apparemment, il y en a qui connaissent pas du tout. Labo photo, normalement, il y a que dalle ici. Le 1, le 2, je conseille le 3. Oh oui, je sais que ça date un peu de. Je sais que ça date. Là, il y a le casier, c'est pour avoir des nouvelles tenues. Attendez, non, ça c'est dans RE2. Là, on a des poudres. Putain, faut pas que je confonde RE2 et RE1. RE3. Non, si j'arrive à confondre RE2 et RE1, ça va pas le faire.
Clé emblème, ça ouvre une porte normalement. Je vais créer des balles. Je vais tout de suite créer le plus possible de balles, les balles améliorées. Je veux les avoir assez rapidement. Je vais refaire une save parce que de toute façon, la tarée de Nemesis va revenir. D'ailleurs, j'aurais une anecdote sur Nemesis, sur la fois où l'on voit. On voit la première fois Nemesis. Carte Star, j'en ai plus besoin. Je vais sauvegarder et on va continuer. Alors, moi honnêtement, si je peux vous conseiller un film, et c'est pour moi mon film préféré de toute ma vie, c'est de tous les films que j'ai pu voir en fait, mais ça va vous paraître ridicule si je vous le dis, mais je vous conseille de voir un film. C'est Drive avec Ryan Gosling. C'est le film qu'il faut voir avant de mourir, je pense. Ouais, vous n'avez pas le choix. C'est un film vraiment, vraiment excellent. La performance de Ryan Gosling dans le film est vraiment extraordinaire. Et je vous le conseille. Et je le conseille à tout le monde d'ailleurs. Voilà, ça n'a absolument aucun rapport, mais. Après, matière. Tout ce qui est cinéma, je vois pas. Ah bah merde, comment ça va? Je sens que je vais mourir là. Quoique non, non, non. Faut vraiment pas que je crève ici parce que eux je sais qu'ils vont se casser. Oh, putain, sans déconner, je vais mourir là. Nye. Bon, c'est pas grave, j'ai save là. Faut vraiment que je passe sans me faire tuer parce que là ils vont dégager les ennemis. Ils vont dégager, je m'en fous. Voilà, allez, on s'en fout, on va charger. C'est quoi? C'est la deuxième mort. Hein. Voilà, c'est magnifique. On a un peu l'impression que je suis mort, quoi. Allez, attendez, on va passer. Putain, mais pourquoi elle va sur les zombies, cette cruche là? Bon, je vais me soigner. Je vais me soigner, je fais n'importe quoi. Je voulais pas gaspiller de soins parce que j'avais envie de les garder un peu. Mais c'est bizarre ça, j'ai pas récupéré une herbe verte tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on va y aller. On va y aller comme ça. Je vais essayer de me les faire. Il y a un document, non? C'est ce qui me semblait. Mémo de David, je sais pas qui c'est David, on s'en fout complètement. Mais qui est David? Je dois même avouer que les documents dans ce RE3, mais je m'en tape, mais. Alors autant le. Et même quand j'ai fait le jeu la première fois, j'en avais rien à cogner. Hein. Alors tu dois appuyer sur la touche pour viser. D'accord, donc c'est la touche visée pour esquiver. Ah bah ça tu vas me l'apprendre parce que je ne le savais pas. Ah non. Pas du tout. Alors faut appuyer quand le zombie nous chope. Mais oui, mais qui est David? Je ne sais pas qui est David. Il y a même autre David dans un commissariat, mais je m'en fous quoi, de ce mec quoi. Qui est-il? Que veut-il? Je n'en ai absolument rien à taper. Putain, il y a du monde là. Alors tous les joueurs hardcore de Resident Evil doivent me maudire parce que je suis en train de gaspiller des balles, mais. Je me dis à quoi ça sert de faire un jeu et économiser des balles. Et à la fin je m'en retrouve avec 150 de puissance de pistolet, ça va. Voilà quoi. Ça ne veut rien dire. Là, je sais qu'il y en a un qui est un peu plus balèze que. Voilà, là, il y a un gros zombie là. Il y a un fat zombie, on va le laisser tranquille. Non, c'est dans RE2 où les énigmes vont à pousser les trucs. En plus, l'intro du jeu et un clin d'œil à la fin du premier film. Quel film? Si t'es toujours dans Alien, faut le préciser parce que. Là, je suis dans 15 conversations. Ça va pas le faire là. Y a pas d'herbe verte là. Peut-être dans RE2 aussi. Ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que là la porte est barricadée. Et dans RE2 on y passe. Donc ça n'a absolument aucun sens. Voilà, pourquoi elle est barricadée là? C'est qu'il y a un mec en fait qui est venu. Qui a barricadé la porte et entre-temps, il a enlevé les planches de bois. Et enfin, sans déconner quoi les gars. Putain, la logique là. Ah oui, en plus on a fait tout ça. On est venu quand même. Parce que ça c'est quand même assez extraordinaire. On est venu dans le commissariat pour récupérer ça. Les outils de crochetage.
Sans déconner, quand même. Je trouve que ça n'a absolument aucune logique. L'esquive faut la faire au bon moment, mais c'est pas aussi précis que les esquives d'erreur révélation. Bon, erreur révélation, ça va encore, les esquives étaient quand même super simples. Hein. Là, il y a un stress, il est pas baisé. Je crois qu'il y a encore une arme. Là. Il y a quoi déjà? Je sais plus ce qu'on a là. Ah, c'est bien ce qui me semblait, on a le lance-greu-greu qui est là. Putain, mais en fait. On les récupère vachement tous les armes. Hors service, impossible d'envoyer un message. Mais je crois qu'elle va recevoir un truc. Est-ce que j'ai tout récupéré ici? J'ai récupéré le spray, j'ai récupéré. Je crois qu'il y a des balles de flingue dans le bureau de Chris. Non? Oh, quelle mémoire. Et là, il y a un flingue, on peut même pas le récupérer. Du coup, c'est n'importe quoi. Là, il y a un truc. Flingue de Kendo Armory. Comment il s'appelle? Kendo. Personne s'appelle Kendo dans le monde, je suis désolé. Hein. C'est pas un prénom ça. C'est un pseudo à la limite, mais. Avant que ce soit un nom de famille, mais c'est ridicule. Peut-être que c'est mieux sur 3DS. Alors sur 3DS. Quoi, lance-grenade? Ben oui, lance-grenade, oui, bien évidemment. Alors, erreur révélation sur. Les esquives dans le premier, par contre, elles étaient dégueulasses. 3DS aussi, sachant que moi j'ai joué quand j'avais un seul joystick. Enfin, moi j'avais pas le pro circle pad, mais voilà quoi. À 40 boules, pff, ça m'intéressait pas du tout. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer le live, j'appelle le. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir, j'appelle le commencer. Donc bon, je pense que tu vas rester jusqu'à la fin, vu que d'habitude tu te couches à 4h du mat. Hein, tu vas pas me faire. Voilà. Donc on a récupéré les outils de crochetage. On va se barrer. On va se barrer, et là en fait, bon, il y a le démitis qui va arriver, et je vais une petite anecdote, voilà, c'est que la première fois que j'ai fait ce jeu, la toute première fois, j'avais quoi, je devais avoir 7-8 ans, et je le faisais avec mes frères, et on devait jouer, il était quoi, 8-9 heures du soir, et à ce moment-là, donc au moment où la vitre se brise, bizarrement, j'étais tout seul dans la pièce, ils sont barrés. Pour me faire un peu peur. Donc moi comme un con, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je descends, hein, un escalier. Voilà quoi. À 8 ans, hein, je dis un peu le traumatisme. Ça m'a vraiment. Et je chantais un peu le coup de pute quand même, parce que c'est bizarre quand même qu'il se barre à ce moment-là. Et là quand on va là. Ah là, il y a lui. Lui avec un. Avec un lance-roquette. Bon. Pas terrible hein. Ça c'est quoi ça? Pierre bleue. Pourquoi je récupère une pierre bleue déjà moi? Je sais plus. Elle sert à quoi la pierre bleue s'il vous plaît dans le chat, ça m'aide. Je sais plus à quoi elle sert. Il faut peut-être la mettre quelque part mais je sais plus à quoi elle sert. Il y a des zombies là? Non, 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 s'il te plaît. Oh putain, je vais me faire exploser, je vais me faire exploser, je vais me faire exploser les gars. Ah bah non, en fait, non. Putain. Oh, le coup de stress. Mais pourquoi il y a encore des zombies? Ils sont pas censés. Il y a des zombies avec le Nemesis? Ouais, il me semblait que quand il y avait le Nemesis, il y avait plus de zombies dans les zones. Ah, c'est pour plus tard, la pierre. C'est vrai qu'il me semblait. Bon, moi, j'ai tout récupéré ici. Je vais me soigner, là. Je vais me soigner parce que là, je suis au bord du... Là, je suis pas bien, là. On va combiner ça avec ça. Oui, j'ai eu chaud. Et je comprends maintenant pourquoi d'habitude je les tue les zombies ici. Mais quand je les tue, généralement ils me foncent dessus. Ou alors ils me touchent. Là, il a tapé le mur. Du coup, au final, j'ai un peu. Ouais, au final, je suis un peu gagnant quoi. Si tu meurs, je perds. Non, mais je vais pas mourir. Je vais essayer de pas mourir. Est-ce que là, on peut récupérer des herbes? Ou un truc. Eh bien, bonne nuit à Biskileuse qui nous quitte. Voilà. À 23h56. Hein. Bonne nuit. Par contre, oui. Donc avant, on va récupérer notre pierre. On va récupérer notre pierre normalement. Alors, est-ce que c'est la pierre qu'on met dans le cadran? Je sais plus.
pardon, utiliser. On a fait tout ça pour crocheter une porte sans déconner, quoi, mais ça me fait rager cette logique. Il y a des araignées, je crois, ici. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il tient quelque chose. Non, me dis pas qu'il a un document, je m'en fous. Je m'en contrefous des documents, les gars. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Et le pire, c'est quand parfois vous récupérez des photos dans le jeu et c'est des screens, des cinématiques, mais en moche. Ça, faut m'expliquer un peu le truc, quoi. Ça, faut falloir m'expliquer le projet. Ici, une bouche d'incendie, une ancienne incendie fixée avec des boulons. Faut que tu payes une clé, je crois, ici, pour enlever la. J'aime parce que. Alors, ça, c'est un truc qui me fait aussi triper dans les Survival Horror, c'est que ils arrivent quand même à donner une description extrêmement fidèle aux objets qu'ils visualisent. Et le pire en tout ça, le pire jeu où j'ai vu ça, c'était dans Alone the Dark Nightmare sur PS2. Et sur PS1 et sur Dreamcast, tout ce que vous voulez. J'en souvenais plus, ça, qu'il y avait des chiens là. Il n'y avait pas des corbeaux ici? Bon, je m'en fous. Je m'en fous, j'esquive. C'est bien pour le cadran, ça va alors. J'ai des bons réflexes. J'ai des bons. Non, j'ai pas. Non, j'ai des réflexes de merde, mais j'ai des bons souvenirs. Putain, il y a deux salles avec des chiens. Je vais prendre ça. Il y a des câbles ici. Câble d'alimentation, ça va me servir. Moi, j'ai plus du tout à revenir ici. Là, le truc me tombe sur la gueule. C'est pas pour cette phase-là. Putain, mais le chien, je lui ai rien fait, quoi, sans déconner, quoi. Il y a des herbes vertes, faut s'en souvenir. Bah, il y a des araignées, je pense que c'est pour ça. Et je crois qu'il y a des. Et les saloperies qui nous coupent en deux, pas très loin, donc. Du coup, je vais pas m'en servir. Enfin, si je me fais toucher, en tout cas. Là, il y a un ruban. On va un peu ranger tout ça. On va refaire une save, je m'en fous. Je joue là. Je joue la sécurité. Alors, attendez, est-ce que. Je vais peut-être ranger le crochet, j'en ai peut-être pas besoin. Le spray, j'en ai pas besoin, je vais garder une herbe. Je vais reprendre le ruban. Alors, par contre, faudrait peut-être me dire ce que je peux garder parce que. Le câble d'alimentation. Attendez. Non, le câble d'alimentation, c'est pour le. C'est pour le tramway. Il y a une connerie comme ça. C'est plus tard le câble d'alimentation. Il y a trois trucs à récupérer. La pierre bleue, c'est pour le cadran. À la limite, je peux la mettre maintenant. Je crois. Ah, je sais plus là. Je sais plus ce que je dois garder là. Le briquet. Je crois pas. Ouais, bon, ça, on va partir comme ça. Et si, avant que je sorte de la salle, vous m'aidez un peu dans le chat, j'essaierai d'aviser. Des chiens, mais sans déconner les gars, ça met trois salles avec des chiens. Voilà pour le tram, oui, c'est ce qui me semblait. Mais pourquoi il y a encore des chiens? Mais putain, y'a que ça, y'a pas des zombies normalement ici? Là il me semble que normalement il y a des zombies là. Alors ça doit être aléatoire, c'est obligé, ça doit être aléatoire. Laisse la pierre bleue et le câble. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors générateur, restaurant, rédaction, essence, tramway, d'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai un coffre pas très loin. C'est pas faux. Je crois que ça empoisonne cette merde là. Ah oui, il y a l'autre abruti là-bas là. Attendez, est-ce que je rentre là? C'est quoi ici déjà? Ah oui, c'est vrai que dans le restaurant on peut entrer des deux endroits. Alors, il y a une salle de save ici. Moi j'ai pas sauvegardé, je viens de sauvegarder là, ça c'est complètement con si je sauvegarde encore une fois. Je vais nettoyer la zone ici, il y a trop de monde. Mais je crois qu'il y a un truc à récupérer dans la salle de save par contre.
faire toucher. Je vais me faire toucher, j'en suis sûr. Putain, j'en étais sûr que cette abrutie allait se... Elle est se lever. Je vais peut-être un peu reculer. Ils sont un peu trop sur moi là. C'était bien en fait les chiens, hein, sans déconner. On va pas se débarrasser. Utilise des grenades acides. D'accord, ok. D'accord, en fait on a juste les. On a juste les araignées qui empoisonnent. Il est pas mort là-bas, non? Je sais pas. Si, si, là, il doit être mort. Ils sont tous morts, de toute façon. Normalement, il n'y a plus personne. Là-bas, bah, on doit avoir donc la salle avec le cadran. Donc, on va pas y aller, normalement. Il y a la rédaction, par contre. Il y a encore un objet à récupérer. Ça, c'est quoi, ça? La manivelle rouillée. Je crois que c'est pour... Il y a une porte avec la manivelle rouillée, là on a des munitions de fusil. Le pied de biche pour le resto. Le pied de biche pour le resto. Comment ça le pied de biche? La manivelle? Je comprends pas là. J'ai récupéré un pied de biche tout à l'heure. Ça me fait peur parce que là il y a une salle, je sais qu'il y a le Némésis. J'ai limite envie en fait d'utiliser le fusil à pompe. Ah mais en fait elle est pas très bien là. Elle est pas très bien, je vais peut-être me soigner. Prends le crochet de serrure, d'accord. Ah, c'est peut-être, voilà, d'accord. Oui. On va prendre le crochet plutôt, t'as raison. Je vais prendre un. J'ai pas d'objet de soin qui traîne. Si, j'ai un objet de soin, j'ai un truc en verre là. Ah, oui, j'ai un spray. Laisse la manivelle, d'accord. Donc, on va y aller. Et on va aller voir ce que l'on peut faire. Il y a un combat contre Némésis, je sais plus tout comment on peut le. Je sais plus tout ce qu'il faut faire avec lui pour le. Pour le vaincre rapidement. Alors soit je fuis. Je sais plus. Bon, va falloir réfléchir un peu là. Là qu'est-ce qu'on a? C'est fermé par un simple verrou. On utilise le crochet pour récupérer. Donc la patte. La patte. Il a passé une patte. Non, je passe aussi, je vais examiner. Robert en forme de crochet. Ça doit servir à accrocher quelque chose. On prend une trappe. Ah, faut peut-être ouvrir. D'accord, c'est peut-être ça en fait. Voilà. Voilà, le pied de biche, mais putain, mais la traduction sans déconner du jeu, elle craint quoi. Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Comment on le bat lui? J'ai oublié. Attendez. Se cacher dans le cours sous-sol. Ah merde! Putain! Bah j'ai fait le mauvais choix. Ah je suis désolé. J'aurais dû me cacher, putain, je savais qu'il fallait faire ça. Je le savais en plus. Qu'est-ce qu'on fait déjà là? On va mourir noyé, non? Cache thoracique qui est défoncé, déchiqueté, d'accord, mais il a pas un truc sur lui? Chambre froide, mais oui, mais je vais mourir noyé là.
À moins qu'il faille remonter. Monter par l'échelle. Bah oui, on va remonter, hein. Et bien évidemment, c'est moi qui chope, hein. Ça ne m'étonne pas. Ah, oh, putain. Bon, on va se le faire, hein. On va se le faire. Il va se le faire, plutôt, pour une fois qu'il va servir à un truc, lui. Alors, je crois qu'il peut pas mourir, hein. Je dis pas de conneries. Il est en train de prendre cher, sans déconner. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer, là? Genre des balles ou... En même temps, c'est ma faute. C'est ma faute, je suis allé trop vite, là. Des poudres. Je vais pas les prendre pour le moment, je vais les prendre après. Ah, il peut mourir? Ah bah d'accord, ok. Ah putain, c'est vrai qu'il est mal en point. Je vous cacherai pas que je ne supporte pas ce mec, hein. Je supporte pas Carlos. Bah voilà, bah je suis mort. J'aurais dû me cacher. Non mais c'est moi. C'est moi, j'ai fait le con, j'aurais dû me cacher. Oui bah. Malheureusement il est mort. Donc on revient de là. Bon ça va, on revient d'à côté, c'est pas grave. Alors, on repasse ça. Ah bah voilà où j'ai mis en fait l'herbe verte. D'accord, je l'avais utilisé, ok. Par contre, quand on se cache, du coup, faut, je sais plus tout ce qu'il faut faire. Quand on se cache. Il faut, de toute façon, il faut le vaincre, non? Ou alors il se barre. Il est pas assez cool, il est... Non, putain, j'ai dire qu'il est pas aussi con que ça, le Nemesis. Apparemment si, d'ailleurs, peut-être assez con pour ça. Bah allez, on reprend la map, ça sert absolument à rien, de toute façon je connais. Je connais quand même à peu près la carte. Putain, sans déconner, je m'en fous de cette cinématique, je l'ai déjà vu. Ah mais je lui fais absolument confiance. C'est vrai que ouais, quand on est dans le faible, il one shot, surtout en difficile. Alors je vais pas aller là-bas parce que je sais qu'on peut rentrer. Si tu te caches, j'ai fait... Putain, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je crois qu'elle tire dans... Elle tire dans la bonbonne, non, je sais plus. Putain, j'ai vraiment été con. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai... Alors je sais que si on rentre dans l'autre ouverture, je crois qu'on a aussi le choix genre de sauter par la fenêtre ou de se cacher aussi. Ah non, attendez, moi ce que... Non, c'est pas là. Attendez, c'est où? Non, c'est c'est dans le resto. Et les gars, cassez-vous, s'il vous plaît. Alors, heureusement qu'il y a quand même masse de balles de pistolet dans le ici, hein, parce que... Là, en plus, j'ai encore deux... J'ai encore deux poudres, là. Ils sont morts. Elle lance une lampe. Ok, si ça fait boum. D'accord, ok. Alors, pro d'esquive, mais c'est pas une pro de l'esquive, hein, putain. Allez, meurs, s'il te plaît. Oh. Voilà. Ça y est, t'as décédé. Alors, on va se retaper ça, donc. Hein. Donc voilà pourquoi j'ai pas envie de sauvegarder. Alors attendez. On va reprendre la manivelle rouillée. Bon ça c'est pour genre la station.
C'est pour la station service, ça, je sais plus. Ah, mais j'ai vraiment pas de souvenir du jeu, quoi. Enfin, j'ai pas de souvenir. J'ai vaguement des souvenirs, mais. Mais tant mieux, quoi. Moi, ça fait un peu de. Voilà, quoi. Est-ce qu'ils vont comparer aux deux premiers? Oui, bah. Ouais. Bon. J'ai rien dit. C'est vrai qu'au moins, comparé aux deux premiers, l'esquive. On va reprendre les outils de crochetage. Donc, je te fais confiance comme. Comme je vais le tuer avec les cinématiques. Mais du coup, je vais pas aller là. Je vais pas prendre masse d'objets. Alors, on va utiliser le crochet. On va recommencer. On reprend la pâte. Bien évidemment, on appelle ça une pâte. Hein, voilà. Pour moi, de la pâte, c'est un point aussi. C'est pas une pâte, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est totalement con. Alors oui, on va utiliser quelque chose, voilà, dans la cavité, ça me fait plaisir. Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, corporal of Umbrella's biohazard countermeasure force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Bon alors cette fois-ci on va pas faire les cons, enfin je vais pas faire le con plutôt, je ne vous. Ce n'est pas votre faute, donc on va se cacher dans la cuisine. C'est vraiment Pierre Richard ce mec, hein. Némésis, je parle. Allez, au revoir. Are you crazy? You could have barbecued both of us. Bon, on s'est occupé de lui. Bon, normalement, il faut un guide de la ville. Mais j'en fous du guide de la ville, moi. Pas besoin d'être guidé, hein, voilà. Quoi? Attendez, il se réveille? Ah merde. Pourquoi il se réveille? Attendez, je vais juste faire pause, je vais attendre qu'on me dise ce que je dois faire là, parce que là, je suis pas. Je suis pas du tout convaincu là. Mais c'est un petit. Oui, ben. J'avance pas là parce que là il s'est réveillé et je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? On fait quoi là? On se barre du. On se barre du truc? En fin de compte, j'ai rien récupéré. J'ai même pas pu descendre encore. Je vais attendre, je vais attendre d'être vos conseils parce que là je. En fait il faut. Non mais ça. Putain. J'en ai marre. Bon, putain. Bon, on va faire un truc. On va. Je sais pas. Bah oui, on va se barrer, hein. On va se barrer, on va faire le tour, on va revenir, on va descendre et. Je sais pas. Ouais, mais bon, je le sens pas là, bizarrement. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars. Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. D'ailleurs, là, regardez, une petite affiche là écrit Biohazard 4. Comme quoi, ils ont.
Il savait hein, qu'il allait faire encore un. Non. Non, il est là. Non, mais je lui ai rien demandé à ce mec, hein. En plus, il court vite, hein. Regardez cet enfoiré, là. Et mais là, Carlos, il est pas avec moi, là. Enfin, il est plus avec moi, plutôt. Putain, mais lâche-moi un peu, Némésis. Pourquoi il me suit? Attendez, c'était quoi ça? Ah, mais c'était le... Ben, je sais pas ce que c'était, c'était quoi déjà? Les arbalètes, non? Est-ce qu'il me suit en bas? Il est trop stressé ce bâtard en plus. Ah bah oui, quand j'étais avec lui. Mais là, il y a bien un truc à faire ici, là. Non? Parce que je suis pas venu là pour rien en fait, hein. Parce que ça, là, pour le coup, ça me fait un peu chier. Cage thoracique qui a été défoncé et déchiqueté. Faut pas lui faire un truc, faut pas l'ouvrir lui avec le. Non, le petit crochetage. D'accord. Mais en bas, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Mais d'accord, je suis venu là pour rien. Du coup, je vais prendre le bonus d'armes et je vais me barrer. Chambre froide. Bah oui, chambre froide, mais. Qu'est-ce que j'y peux, moi, une chambre froide? Je suis content pour elle, quoi. Ok. D'accord. C'est formidable. Là, je suis en train de faire le truc, mais là, je pense que je suis en train de faire le pire chemin possible. Et je vais me faire tuer, je le sens. Je sais pas de quelle porte il va se ramener, par contre. Pas celle-là, j'en supplie, pas celle-là. Ça va. Je vais aller à la salle de save. Et je vais peut-être sauvegarder. Il est encore là, il y a encore sa musique de merde. Hein. Alors que non, peut-être. Non, j'ai l'impression qu'il s'est calmé. Alors je vais en profiter pour me faire des balles, tiens. On va ressortir voilà ce bon vieux kit de munitions. Voilà. On combine. Ah, c'est bien ce qui me semblait, voilà. On gagne plus de munitions à force. Comme quoi, ça va, j'ai encore des bons restes hein, sur ce jeu. Et en fait, je me suis quand même plutôt bien débrouillé, hein. Je me suis pas fait tuer. Eagle, je m'en fous. Est-ce que je refais une save? Oui, je vais refaire une save et je vais garder une herbe. Alors, faut pas oublier. De toute façon, après, je vais partir récupérer les herbes qui se trouvent. Il y avait des herbes pas très loin. Et de toute façon, il y avait un objet à récupérer. Donc, de toute façon, j'ai oublié d'y aller en fin de compte. Parce que je crois qu'il y a un truc à faire là-bas. Je sais plus quoi, mais je sais qu'il y a un truc à faire. Allez. C'est parti. Bon, là, il peut venir quand il veut, je m'en fous juste à regarder. Hein. Bon, il vient plus en fait. D'accord. Ah, d'accord. Oui, bah oui, j'allais prendre la pierre bleue, j'allais mettre dedans, t'as raison. Non, sa mère. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, j'ai sauvegardé en plus. Merde. J'ai fait le con. Ah, j'ai été con. Pourquoi j'ai sauvegardé sur le même slot? Où est la pierre bleue? Elle est en bas, non? Où est la pierre bleue? Pierre bleue. Ah, elle est là, bah oui, pierre bleue. Bon, allez. Non, je suis sans déconner, je suis en stress. Je suis en stress parce que je sais que l'autre pédophile est dehors là. D'accord, ok.
slot, oui. Allez, tout de suite, mets-le. Ah, il manque deux pierres, mets-le, attendez. La pierre, elle est où déjà? Putain, elle est où l'autre? Ah, mais elle est là-bas, l'autre, elle est dans le... qu'on appelle ça? Oui, je sais que c'est pas suffisant, merci, je m'en fous. Ouh, oh, c'est chaud. Et sans déconner, c'est tellement chaud ce jeu. Bon là normalement il nous laisse un peu tranquille quelques secondes. Hein. J'espère que j'ai pas besoin d'objets là pour le coup. Je sais qu'il va se repointer en haut. C'est une certitude. Voilà donc on la récupère dans le bâtiment. C'est bien ça. Alors, il y a un truc qui est bien dans Resident Evil, c'est quand c'est vert, ça veut dire que ça marche. Voilà. Est-ce qu'on peut... J'ai pas envie de savoir si on peut cramer avec le feu, du coup je vais pas me le prendre. Putain, ça m'a fait peur. ça va les gars, sur les effets. Hein. C'est quoi ça? C'est du décor, d'accord. À quoi elle sert cette porte? Ah, attendez, parce que là il y a le Némésis aussi qui va se pointer. Où est-ce qu'on va là? Non, mais je m'en fous. D'accord, le feu ne fait rien. Bon, moi ça va. Bon, ça prouve que toi, par contre, tu as testé le truc. Voilà, photo C. Des beaux screens de cette cinématique, hein, comme on n'en fait plus. Là il y a la pierre verte. Donc là, du coup, il va se ramener cet abruti. Ah, mais il y a un zombie, tiens. Il y a un zombie. Et moi, comme un con, je ne bouge pas. Hein. Je me tape le zombie. C'est formidable. Il n'y a que ça ici, il n'y a pas de spray, il n'y a pas de... Je vais peut-être utiliser l'herbe, là. C'est le chemin du retour. Non, mais moi, il me semblait que, genre que là, quand on était là, le Némésis se ramenait. Et j'en suis sûr et ça... Oh, ça, c'est beau, ça. Alors, non, putain, mais... Oh, ça, c'est magnifique. Mais il me semblait que c'est... Il était là devant la vitre et il y avait un choix. On pouvait soit se cacher ou soit faire le connard. J'en suis quasiment sûr ça. Est-ce qu'il va se ramener devant moi ou il va... Non. Non, non, ça va, il est pas devant moi. De toute façon, là, ce que l'on a à faire normalement, c'est mettre la pierre. Ouais, bien sûr, d'accord, allez. Le gars, il saute des vitres. Tranquille, hein. Bon, ça va, il est loin. Il est loin, ça devrait être bon, normalement. Allez, c'est parfait. Oui, on a ouvert la porte, on est tous contents. Ouais, c'est vert. C'est magnifique. Ouh. Là, je sais qu'il revient plus, là. Alors, les gars, franchement, je suis vraiment mal. Alors, c'est la première fois que je suis fier de moi. Parce que là, j'ai quand même fait les choix les plus bidons que je pouvais faire et j'ai réussi à pas me faire toucher. Ouais. Il y a du niveau quand même, hein. Il y a du level, hein. Où est-ce qu'on va là? Je sais que derrière il y a le. Il y a le tramway. Ah, mais attendez, il me faut les trucs là pour ouvrir la porte derrière là. Et je crois qu'il y a le boss maintenant. Pire endroit de la terre. Merde. Tu rencontres Carlos pour la première fois sur le réseau dans le bâtiment. D'accord, dans ce qui me semblait. Quand on va d'abord dans le bâtiment, on a un choix. Donc si je vais là. Ah, c'est fermé là. Mais est-ce que le boss avec le verre arrive maintenant?
train de poser la question. Parce que s'il est maintenant, je pars save hein, tout de suite. Hein, parce que honnêtement, je le sens très mal. Là, il me faut le truc là pour ouvrir. Ouais, je vais faire une save. Je vais faire une save et je pense que ça sera la dernière save de ce chapitre là. Ouais, je vais refaire une save. Là, c'est fermé, je sais plus ce qu'il faut. La porte est barricadée, ne s'ouvrira pas, mais elle s'ouvrira forcément à un moment. Est-ce que lui, il a quelque chose là sur son corps là? Oh, quel instant. Faut toujours fouiller les corps comme ça, des gars là. Généralement, on trouve toujours des choses assez sympas. Ouais. Alors, je vais reprendre les rubans. On va juste faire une save pour la forme. Et on est reparti. Alors, on repose le ruban. Alors je suis un peu feignant là pour le coup, pour le chemin. Généralement quand je me tape des chemins retour, je supporte pas les temps de chargement. Du coup je vais un peu vous les... voilà. Vous les accélérer. Ce qui est cool avec l'émulation d'ailleurs, hein, c'est qu'on peut zapper toutes ces conneries de boss, c'est quand tu as tout récupéré le drift pour faire le tramway. D'accord, en fait j'étais persuadé que c'est là. J'étais sûr, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, au moins je fais. Ah, mais attendez, ça veut dire qu'il faut pas aller ici alors. Enfin, pas maintenant en tout cas. Mais oui, mais c'est formidable l'émulation. Ça me fait toujours marrer les mecs qui crachent sur. Les gens qui jouent en émulation, qui vous dit que c'est pas bien de jouer sur émulateur. Et pas d'un coup fin face. Moi ça me. Moi ce discours de puriste de France, ça me. Ça tend ça me. À me saouler un tout petit peu. On va recharger, tiens. Ah bah non. J'avais encore assez de balles dans mon chargeur. Voilà, il est mort. Là je sais qu'il y a encore un cadavre aussi. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Je trouvais que je pouvais esquiver ici. Mais c'est dans le cas-là alors où il y a des munitions au sol. Je sais plus où c'est. Attendez, donc là pour le coup j'y vais pour rien là, si je dis pas de conneries. À part pour deux herbes vertes. Ouais, en même temps, voilà, sans raison, c'est que quand j'esquive, je me fais buter, donc bon. Vraiment, je commence à avoir un peu marre, quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Ça c'est du beau jeu, ça. Ça c'était bien. Alors là, par contre... Normalement, il y a des chiens. Ou des zombies. J'y vais pas pour rien, mais est-ce que je peux tirer sur... Pourquoi elle vise pas... Attendez, il y a une touche normalement pour... Pour viser les objets. Si je dis pas de conneries. Ouais, non, ouais, t'as raison, faut pas... Normalement, on y va pas pour rien, là, je crois qu'on récupère un objet, c'est ça? C'est quoi, ça? Y a un objet en haut? Non, c'est mes mots, je m'en contrefou. Ah, voilà, on retrouve... Nikolai, je sais plus. Un mec qui s'appelle en I, quoi. R2, d'accord. Stars. You mean the RPD
special force team. Hey, is someone wounded back there? Oh, this looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Mais il y a un truc qui me fait marrer, ils sont toujours en train de se balancer dans ce jeu là. Alors les bugs de. Les bugs de son, c'est. C'est l'émulateur, hein, c'est pas. C'est pas le jeu. Mais ils me foutent la gerbe quand ils bougent. Alors lui, s'il dit pas de conneries, c'est un pourri, hein. Alors autant Carlos c'est un abruti mais il est plutôt cool. Autant le mec aux cheveux blancs c'est une saloperie. Lui il veut juste buter des témoins de la ville. Lui il me semble qu'il est envoyé par Umbrella pour buter tout le monde. C'est vraiment plutôt qu'elle avait la notion à bah, à la limite, on peut dire que c'est l'expérience qui l'a peut-être rendu comme ça. RE Révélation se situe. Enfin, le premier Révélation se situe où? Normalement, ça se situe avant le 6, non? Ou avant le 5? Est-ce qu'on récupère un truc ici là? Ah, si, on récupère un truc là. Qu'est-ce que c'est? La clé à molette. C'est vrai, c'est pour. C'est pour la porte là-bas, du coup, ce que j'ai fait ici n'est pas vain. Ça se trouve plus, ben voilà. Donc, duquel Révélation RE2 ou enfin, Révélation 2, Révélation 1 parce que dans le 1, oui, mais dans le 2, j'ai pas le souvenir en fin de compte. C'est avant le 5, d'accord. Parce que le 2, normalement, se situe en même temps que Resident Evil 6. Je dis pas de conneries. Parce qu'à la fin de la scène cinématique de Révélation 2, on entend parler des attentats en Chine. Bon, c'est vrai qu'on va reprendre celui-là. En même temps, j'ai même oublié des herbes plutôt, donc du coup je vais pas économiser. Hein. J'ai déjà pas commencé à économiser l'air, mais c'est vrai que autant en cachons munitions ils sont plutôt cool dans le jeu. C'est cachons herbes qui sont un peu plus salauds. En même temps, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? Sans déconner. Est-ce qu'il y a un truc dans sa voiture? Poudre B. Entre le 5 et le 6. D'accord. Alors c'est peut-être la fin alors. C'est peut-être juste la cinématique de fin bah, qui se déroule pendant le 6. Parce qu'on entend parler donc des attentats en Chine à la fin de Révélation 2. Ah putain, il va falloir que je retourne par contre dans la salle là-bas. Oui, d'accord. Est-ce qu'on avait un truc à faire? Non, je vais d'abord aller dans la salle là-bas. Je vais d'abord reprendre la barre. Et ensuite on avisera. Le 6 se passe en 2013, 15 ans après Raccoon City. Mais non, mais je parle de Révélation 2, pas RE2. Attention. Mais non, j'ai pas tous les liens. D'ailleurs, il y a très peu de révélations, d'ailleurs. C'est pendant...
putain, en fait j'ai pas... J'ai pas capté en fait ça, j'ai... Peut-être que je fasse attention un peu au... Pas franchement briqué d'ailleurs. Peut-être que je fasse un peu attention aux scènes cinématiques moi. Où est passée ma machine? Alors déjà on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, je vais les combiner, moi c'est fait. Et je veux ma machine à créer des munitions. Alors c'est un peu con ce que je fais, parce que généralement on peut aussi combiner les A et les B. Mais je vais pas combiner pour le moment tout ce qui est à base de A. Parce que je veux moi je veux mes munitions améliorées. Ça m'arrange. Allez, ça devrait être bon. On a encore un spray au cas où. Salut Akishi qui nous rejoint sur ce live de Resident Evil 3. Ça fait plaisir de te revoir, tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Ouais. En fait, ça fait très longtemps que j'ai plus vu tout le monde. C'est fou ça. Là je vais récupérer. Après c'est. Oui mais je sais, hein, le jeu est pas très. Je vais voir comment je mets temps pour finir le. Pour finir le beffroi. Et si je me débrouille vite, parce que je sais que le jeu est. Après c'est rapide, hein. Moi je suis capable de finir le jeu, hein, honnêtement. Si on est là tous ensemble, hein, finir le jeu, je pense que. Hein, je... Mais c'est vrai que le jeu est pas très très long. Hein. Contrairement à RE2 où là par contre il y avait plusieurs. Il y avait le scénario de Jill, le scénario de Léon. De Jill, qu'est-ce que tu dis, le scénario de Claire, pardon, excusez-moi. Le scénario de Léon. Et il y avait aussi des scénarios alternatifs, non? Ah, il y a encore des herbes là, mais c'est génial. Là par contre, je sais que là je peux rien faire ici. Ah si. Le livre bronze. Ah, attendez, le livre bronze. Merde. Ah, attendez. Oui, il faut que je revienne... faut que je revienne derrière là-bas. Est-ce que j'y vais maintenant? Oui, scénario de Claire, excusez-moi. Oui, j'ai un scénario de Claire. Parce que je sais qu'en fait, je dois mettre une plaque à la place de la statue et elle se trouve normalement à côté du restaurant. Ouais, si j'ai pas, si pas de conneries, il y a plein d'herbes là-bas aussi. Ça va, en fait, je suis blindé d'herbes. Hein. Enfin, je suis blindé d'herbes. Je vais essayer de les récupérer et je vais essayer de pas trop m'en servir. J'ai aussi des sprays. Donc, je suis pas trop servi. Alors on va prendre voilà la manivelle rouillée. Alors elle comme une cruche, elle va la casser. Putain, sans déconner. Ça c'est comment créer une ligne pour rien quoi. Ah, j'ai horreur de ça. Allez, on revient en arrière, on va rentrer dedans, et dedans je crois qu'il y a la pire énigme du jeu. Je crois qu'il y a des trucs à remettre dans l'ordre. Je sais pas. Oh, ça c'est beau ça. Alors je vais tout récupérer parce que normalement on ne peut plus revenir dans le restaurant. Alors encore des poudres. Ah, je suis pas très loin de mes poudres améliorées alors. Hein. Mes balles améliorées, excusez-moi, de mes poudres améliorées, putain. Et lui il arrive quand t'as pas besoin de lui, mais c'est fou. Fou ça, le gars quand t'as des zombies. Bah si, à la limite il va peut-être se servir là, non? Normalement ils se ramènent tous là, si je dis pas de conneries. Mais là on va devoir faire l'énigme. Une belle énigme de merde. Cela trempe dans l'huile. Dans la pierre est à la fin dans les stations d'épuration d'eau. Attendez, c'était quoi cette ligne déjà? Son épuration. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ouais, bah qu'il se faire foutre lui, je peux pas le blairer. Hein, donc, Allez, on va récupérer le spray. Ça t'a marré pas quand même. Chercher la combinaison.
Ah putain. Alors attends. Attendez, attendez. Faut remettre toutes les lettres, je crois. Faut allumer toutes les lettres, hein, si je dis pas de conneries. Ah, attendez, c'était bon là, non? Oh, c'est magnifique. Bon, ça, c'est nul qu'on réussit, mais. Hein, voilà quoi. Hein. On a fait un peu au pif, hein. Et comme par hasard, ça explose pile maintenant. Ouais, bon, on va se barrer, hein. Putain, cet enfoiré en plus, il est toujours par terre, quoi. C'est bien qu'il me semblait, ça explose à la fin cette connerie, hein. J'ai bien fait de récupérer les poudres en fait, hein. Il peut pas mourir lui sans déconner. Allez, c'est super. Donc là, on a tout normalement. J'ai le câble, j'ai. Mais non, j'ai pas tout. Il me reste encore un truc. Il me reste encore un truc. J'ai l'énigme à finir. Et là, je crois qu'il y a le Némésis qui se ramène. Non? Et les zombies. C'est pas grave. Je gère ça. Donc j'ai pas assez de place pour récupérer de la vie de toute façon. On va ranger la clé, j'en ai peut-être plus besoin de la clé. Il y a forcément un moment où les midis se ramènent. Je sais plus quand, mais ils se ramènent. Putain, je sais plus. Ça m'énerve. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir et on va poser le livre. Le genre de livre de bronze qu'on a récupéré tout à l'heure. On va le mettre au bon endroit. En fait, t'es un fan de Carlos, il est nous. Mais non, mais je suis désolé. Déjà, le doublage m'énerve et le personnage m'agace à un point. Le gars, il ne fait jamais rien. Le gars, il est toujours là. Avec son air con en plus, c'est ça qui me saoule. Et je préfère acheter dans Resident Evil 4 fois. Tu vois, c'est. Parce que Resident Evil, tu vois, elle est achetée, elle est encore un peu. Elle est mignonne, hein. Alors que lui, c'est vraiment un sac de merde, quoi. C'est pas possible, je peux pas. Tiens, on pose ça. L'huile, pour le moment, j'en ai pas besoin, je vais la poser. Quand j'aurai tout, je vais passer sur le chemin. Est-ce que j'ai mes balles améliorées là? Ah, déjà, amélioration des munitions, c'est super. Ah, c'est formidable. J'ai déjà les balles améliorées. Alors, je vais déposer pour moi les balles améliorées. Je les utiliserai au beffroi. Parce que je sais qu'au beffroi, il y a masse de poudre A. Du coup, j'utiliserai ça là-bas. Pierre d'ouest, c'est dans RE1 et code Véronica. Alors, code Véronica, je l'ai fait il y a très peu de temps. Je l'ai fait il y a très 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 peu de temps. Alors attendez, je réponds juste. Un pied MMS.
Ouais, Code Veronica, je l'ai fait il y a très peu de temps et honnêtement, j'ai jamais été emballé par ce jeu, quoi. Je m'étais emballé parce que déjà, je trouve le jeu hyper moche. Enfin, je trouve qu'il a très 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 mal vieilli, mais bon. Le jeu aussi est hyper moche dans la sorte de d'HD remaster, la pourrie, là, c'est dégueulasse ce qu'ils ont osé faire. C'est Capcom en même temps, hein. On te met un petit filtre HD, vite fait, on te lisse un peu les textures, on te met ça... On te met ça en 720p et on te vend ça plein pot. Hein. Ça c'est la politique de Capcom. Alors il y a combien d'herbes ici? Il y en a deux. Bon ben voilà, ça c'est cool. Hein. Bon bientôt, parce que je pense que j'en ai utilisé une. Alors j'espère que c'est bien là hein, par contre. Hein. Voilà, et là normalement il faut prendre ça. Et c'est pour ça, mais moi il y a un truc qui m'énerve, c'est que je trouve le jeu hyper sombre. Et pourtant, des jeux 3D PS2. Enfin, il y a quand même connu à l'époque quoi. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Moi je me suis pas arrêté au graphisme, hein, puisque j'ai fini le jeu. Mais non, moi ce qui m'a énervé le plus, c'est. C'est le scénario complètement pourri, l'ambiance que je trouve vraiment à chier, et les décors qu'on visite, honnêtement, ça m'a pas plus emballé que ça, quoi. Bah, Tomb Raider, ouais, enfin, Tomb Raider sur PS2, c'est quand même un peu plus tard, c'est 2003. Code Veronica, c'est un jeu Dreamcast à la base, si je ne dis pas de conneries. Et ensuite, bon, à peu près, bon, ensuite, bah, ils ont fait un portage sur à peu près tout et n'importe quoi. Je vais poser ici. Je vais poser une herbe. Moi, ça me forcera à garder une herbe. Et je vais utiliser celle-là. Après, il est intéressant à faire, hein, honnêtement. Enfin, il est intéressant. Pour la culture, quoi. Hein. Tu dis que c'est toujours mieux qu'un RE5 ou un RE6. Moi honnêtement j'ai pris plus de fun à faire un RE5 qu'un Code Veronica. Ah et les corbeaux, c'est ce qui me semblait. Mais putain, te fais pas tuer hein, s'il te plaît. Il est mieux que le 0 aussi théoriquement. Bah le 0 je vais pas encore te dire. Mais moi perso je prends plus de plaisir à faire un... A fait un RE5 qu'un Code Veronica. Parce que Code Veronica ça m'emmerde. D'ailleurs un truc qui m'a choqué c'est qu'il n'y a pas de mode de difficulté dans Code Veronica. Et là pour le coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce qu'à la fin du jeu, je fais de la pub pour mes let's play, je sais. À la fin du jeu je me suis retrouvé genre avec 40... Pourtant j'ai sauvegardé vraiment comme un connard. Hein. Mais je me suis retrouvé avec genre une quarantaine de rubans encreurs, des munitions à ne plus savoir quoi en faire, enfin voilà quoi, c'était vraiment hardcore. Hein. Alors par contre il y a un truc que j'aimerais bien savoir. C'est que. Alors attendez. C'est dans quel. On vient d'où déjà? On a le tramway, tac tac tac. Ici, dans la zone où l'on avait la créature qui nous décapite, est-ce que là, il y a quelque chose? Parce que là, je vois que c'est fermé ici. Il y en a une salle avec générateur, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce générateur déjà? Merde. Générateur. Parce que là, je vais me barrer de la ville, là. Mais c'est normal que j'ai pas tout visité. Dans la salle avec créature, à un moment, donc quand on voit la créature, là, c'est qui tombe du plafond. On peut partir aussi de l'autre chemin. Mais là, y a quoi là-bas? Oui, bon, c'est vrai, mais. Putain de négation, j'ai plus tout le temps. Bon, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Je vais refaire une save, justement, je vais aller prendre des objets. Alors, normalement, il y a celle-là, pris le corbeau qui vont se ramener. Bon, je préfère les corbeaux aux chiens, honnêtement. Parce que les corbeaux, c'est quand même beaucoup plus simple à éviter. Mais je sais pas ce que c'est ça où il y a écrit générateur.
c'est quoi déjà? Je sais plus, bon, c'est pas grave. Donc, on va reprendre les objets. On va prendre plutôt. Déjà, on va poser les herbes. Je suis plutôt heureux d'avoir autant d'herbes. On va prendre l'huile. Oui, alors j'ai quand même dit, j'ai dit que dans mon Wulsu, le jeu m'intéressait. Mais j'ai dit ça à chaud. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fin de compte, c'est quand même un jeu de merde. Enfin, c'est pas un jeu de merde, mais la batterie, tu peux aller la passer. La batterie, tu peux aller la passer pas loin. Mais il faut la mettre où la batterie? Faut la mettre dans le tramway la batterie, non? Vieille batterie aussi efficace que moderne. Faut la mettre où la batterie? Déjà, c'est pas dans le tramway, non? Ah mais je sais plus. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc là. C'est pas dans le tramway, pas du tout. Alors c'est où alors? Parce que attendez, alors, je vais pas save. Ça fait un bail que j'ai save par contre. Je vais poser ça. Faut que je revienne où alors? Je suis quoi que si je vais save. C'est pour activer. Ah bah oui d'accord, donc c'est bien là. Donc il faut aller. Faut que je revienne là où l'on avait la créature, j'active l'ascenseur, je remonte et j'arrive dans la salle. D'accord, j'ai vu tout à l'heure. Ok, bon moi ça. Parce que en fait je t'en posais la question, mais pourquoi il y a une salle qui sert à rien dans le jeu? D'accord. J'aurais peut-être pas dû save là, parce que je suis persuadé en fait que je vais pas avoir de difficulté à aller jusqu'à là-bas. Et normalement il y a encore un truc avec la lance à incendie. Du coup je vais peut-être prendre la clé aussi, pour enlever les boulons. Non? Je vais la prendre, dans le doute, j'ai envie de tester, je sais pas du tout si c'est ça, de toute façon j'ai assez d'espace, voilà. Clé à molette, je vais quand même prendre une petite herbe au cas où. Ouais. C'est parfait, on va y aller. Augmenter la puissance, d'accord, ok. Merci, là honnêtement merci hein, de me dire ça en avance. Alors je crois savoir où c'est augmenter la puissance. Je sais normalement il va prendre cher. Enfin je crois que c'est pour les mythiques normalement. Putain, il y en a deux de ces saloperies là. C'est pas grave. Putain, elle a failli me. Mais mets la batterie, espèce de con, tu vas te faire tuer là. Oh putain. Bon bah j'ai pris la clé à molette, bah tant pis. Bon, c'est pas grave. Je me méfie d'elle, vous savez quoi, je vais la buter. Ah mais c'est moi ou elle a le... Où elle est habillée comme Claire. Enfin, elle a le... j'ai l'impression qu'elle a le haut de... Le haut de Claire. Non? Putain, ils sont beaucoup en fait là. Bon, je m'en fous, après j'ai utilisé mes balles améliorées, du coup, je peux me permettre de gaspiller là. Allez, cassez-vous! Je préférais les chiens en fait. Hein. Alors ça va, alors je suis pas le premier à faire la remarque. J'imagine que je ne serai pas le dernier. Putain, j'ai fait un massacre là. Est-ce que là dans la porte il y a quelque chose? De la voiture? Non, il n'y a rien. Ça c'est quoi ça? Ah mais là il y a le Némésis là normalement. Ah oui, bah oui, je suis con, tu m'as dit en plus de...
Pourquoi je prends cette peur d'ailleurs? Je sais pas. Par contre, j'ai vu une herbe rouge. Et ça, ça m'intéresse. Deux herbes rouges d'ailleurs. Alors, je vais peut-être... je vais prendre les deux, vous savez quoi? D'accord, c'est un élément explosif, ok. En regardant la carte... Donc là-bas, c'était fermé, de toute façon, on s'en fout. Donc on va aller là. Et je vais te faire confiance, je vais augmenter la puissance. Une autre menace. C'est quoi déjà? Attends, ça me rassure pas du tout là. Ouh, ça c'est bien ça. Les poudres B. Vu que je suis toujours pas servi du fusil à pompe en fin de compte. Mais oui, mais là ça me fait stresser là, sans déconner, putain. Pourquoi tu dis ça? Honnêtement, je me souviens plus de cette salle. Alors, je vais combiner comme ça avec ça, histoire de me faire un petit peu d'espace. De toute façon, je comptais le garder. Je comptais faire un mélange. Un transformateur qui alimente le complexe. Putain. Ouais. Salope tension. 115 et 125 volts. Mais ça veut rien dire, 115. Putain. N'importe qui fera un peu d'électronique sait que 115 et 125 volts ça veut rien dire. C'est pas marrant. Je sais que c'est pas marrant. N'oubliez pas de mettre l'émetteur en mode manuel. Oui. Il est en mode manuel, ok. De toute façon j'ai sauvegardé Ouais, j'ai sauvegardé juste à côté, c'est pas très grave si je meurs. Ah putain, faire quoi là? Ah merde, cette énigme de con, j'avais oublié. Il faut le mettre à combien déjà? Putain, j'ai oublié ce qu'il fallait faire là. Faut le mettre à 50, non, encore une fois? Se passe. Alors faut juste me dire combien je le mets, après je me débrouillerai. Entre 15 et 20. Ah d'accord, entre 15 et 20. Là faut mettre à 20 j'imagine. 120 sur la tension. D'accord, 120. Bon, faut ouvrir la porte de droite alors. Alors, c'est quoi entre rouge et bleu? Si je fais rouge, ça fait 65. Et si je fais bleu, ça fait 45. Bah oui. Ah tu sais plus. Bon alors attendez, on va faire un truc. Non, j'ai fait une safe take, non je vais pas le faire. Non, on va jouer normalement. Putain, ça va m'énerver cette énigme là. Oh putain, c'est pourri, je comprends pas en plus. Bah oui, attendez, bah oui, bah 5. Ça fait 5 fois, moins 5 et 5 fois 1. Enfin là, ça fait moins 5, du coup, ça fait... Moins 5 fois 1, du coup, ça fait moins 5. Si je fais 5 fois 2, ça fait 10, du coup, je... Non, en fait, non. Pourquoi je gagne... Pourquoi je fais du 45 à 75, hein? Je crois que c'est 20... une des portes. Oui c'est ça, c'est 20 pour une des portes. Ok, donc bleu rouge, bleu rouge, bleu. C'est quoi, j'ai pas me faire chier. On va y aller. Hein. Qu'avons-nous dans les armoires? Ah, c'est intéressant ça, le Magnum. C'est très 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 intéressant. J'ai entendu des zombies par contre. Donc ça c'est pour le Magnum donc. Si je vais là. Là je vois en fait qu'il n'y a rien du tout. À part ça.
Donc c'est là que je vais mettre le courant donc hein. Ok, donc pleine puissance hein, augmenter la puissance. Ça c'est beau ça. Autant d'headshots dans une seule séquence, moi je trouve ça super émouvant. Enfin, y a pas à dire. Accès interrupteur, oui. Donc il était fan des photos. Putain, si un jour j'étais fan déjà. Et si un jour les mecs sont comme ça, ça me fait. Non, je voulais pas faire rouge. Heureusement ils ont pas été cons, ils ont quand même. Ah mais on a tout effacé là. Alors c'était rouge, bleu, 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 d'accord. Non, c'est pas rouge, bleu. Ça peut tromper peut-être dans le live, dans le chat. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ça dépend de l'intensité que tu mets dans le courant, quoi. Rouge, bleu. Rouge, bleu. C'est quoi l'autre code là? Il faut mettre 20. Mais bleu, bleu, bleu. Non, c'est pas ça. Je comprends même pas l'énigme en fait. Je sais même pas ce qu'elle fait. Je sais même pas ce que ça fait quoi. Si ça multiplie, c'est ça. Je comprends pas. Je sais que le bleu ça enlève. Ah merde, ah, si vous savez pas du tout comment on fait, alors on va être mal barré. Bleu. Bon, c'est pas bleu, rouge, bleu, bleu apparemment. Peut-être bleu, rouge, rouge, bleu. Non, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Bleu, bleu, rouge, rouge, d'accord. Ok, on va essayer ça. Je fais confiance de toute façon, les gars. Bon, on en est. 125? Non, mais rien ne se passe, 125. Moi, je vais juste ouvrir celle-là. Moi, je vais mettre... combien? Bah, moi, c'est la basse tension, entre 15 et 25. Je sais pas d'ailleurs si c'est 15 ou 25 compris. On va essayer de faire l'inverse, hein. Bah voilà, c'est magnifique. Je me suis dit que l'inverse c'était assez logique, hein. Bon. Par contre, j'ai plus de place. Ah si, j'ai encore de la place. Mais c'est génial, en fait. Tout est calculé. Hein. Le fusible. Tout est fait exprès, c'est ça qui est magnifique. Corrosion de la poignée, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé qu'ici il y avait un combat contre le Némésis. Et je me le faisais avec le. Avec le Magnum. Pourquoi je suis persuadé? Je sais pas. Pourquoi dans mes souvenirs il y a le Némésis ici? Bon, s'il se ramène ce crevard, par contre, je suis mal barré. Non, mais en fait, non, il n'y a pas de Némésis. Je dois confondre avec notre séquence. Attends, il y a un truc là, non? Non, il n'y a absolument rien. Bon, au moins là, j'ai plein de munitions de fusil à pompe. Voilà, non, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi je sais pas. Pourquoi je suis persuadé? Est-ce qu'en mode facile, il y a Némésis là? Parce que moi, j'ai fait. En fait, j'ai que fait le jeu en mode facile. Non, non. Ah non, 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 me tue pas, je t'en supplie, me tue pas, me tue pas. Menu. Fais pas le con, s'il te plaît. Mais putain, mais arrête de me...
Attendez, les gars, je vais juste faire un truc. Hein, je n'en ai rien à foutre. Allez, c'est pas grave, je fais une safe state. Mais voilà. Je promets que je ne cherche pas cette safe state. Mais il y a un moment, faut arrêter les conneries là. Putain, il m'a fait peur ce con. Donc là, normalement, j'ai tout pour aller au tramway. Normalement. Mais non, j'ai pas tout pour le tramway, il me faut encore un truc. Ah oui, il y a encore un zombie à droite, c'est vrai. D'accord, maintenant faut que je revienne en arrière et il faut que j'utilise. Il y a le truc avec la lance à incendie là, qu'est-ce que j'en fous? Parce que je sais qu'il a été fermé par des. Enfin, bloqué par des boulons, il y a une connerie avec ça. Je sais plus ce que c'est. D'ailleurs, on va poser le magnum. Le magnum, je m'en servirai parce que je sais qu'il y a un combat qui est obligatoire pardon, contre le Nemesis quelque part. Au tout début de Raccoon City. C'est-à-dire. Qu'est-ce que je fais moi? Putain, sans déconner, je veux créer des balles de fusil à pompe et je ramène ça dans l'inventaire. Je commence à être calé en munitions de fusil à pompe là, c'est bien ça. J'en sers jamais, mais. Putain, 44 munitions, c'est n'importe quoi. Viens là où tu as commencé le jeu quoi. D'accord. Je vais faire une combinaison avec un beau rouge. Je vais t'en dire, j'ai clé là-bas pour réparer le train. Putain, j'en souvenais plus qu'il fallait revenir aussi loin. Enfin, j'ai dit aussi loin. En fin de compte, non, c'est pas cet endroit-là. En fin de compte, on est quoi là? On doit être à. 1 heure, 2 heures, 2 heures de jeu, un peu moins de 2 heures. Que tu dois combiner avec le bidon d'essence. Bon, si, pardon, j'ai des objets à récupérer. J'irai les prendre dans un coffre. J'en ai 30 000 des coffres sur le chemin, c'est pas grave. Bon, par contre, eux, ils vont pas me, hein, pas me percher deux fois. Tant que je reviens pas là-bas. En fait, ils sont faciles à esquiver là, mais c'est dans l'escalier là. Elle est trop lente cette conne. Je sais pas qui c'est qui tire là. C'est Carlos? Mais si c'est Carlos, il est pas utile parce qu'il y a encore un zombie là-bas. Je vois rien, s'il vous plaît les gars. Ça c'est magnifique comme esquive encore une fois. Je vais les buter de toute façon, je m'en fous de mission de pistolet, j'en ai encore des masses dans l'inventaire et amélioré en plus. Alors, je suis content d'avoir une bible de Resident Evil 3 avec moi sur le chat. Parce que là pour le coup je pense que. Ouais. Bon, je serai pas là déjà. Je pense que je serai mort déjà contre les midis dans le restaurant. Plein de fois. Non, on va tracer, j'ai rien à récupérer. Putain, les chiens, je m'en souvenais plus. Hein. Je me souvenais plus qu'il y avait des chiens. Là, je sais qu'il y a un choix à la con ici. Mais alors vraiment pourri. Le jour où tu Twitch R5, je t'épouse. Mais j'essaierai peut-être de Twitch R5 sur PC. Je vais peut-être la version PC parce que si je la trouve pas très chère sur Steam, bah je le reprendrai sur Steam. Lui, normalement, il a des munitions de. Ah, il a des poudres, putain, mais. Ça va être n'importe quoi. Je vais être blindé en mission de fusil à pompe. Oh putain! Fais chier, ils m'ont fait peur, c'est con. Putain d'enculé, ah ils m'ont fait peur. Je sais pas que c'était possible, que ce R5 pouvait faire
pouvait faire un peu peur. Est-ce que j'ai une salle de save pas très loin? Parce que j'aimerais bien stocker les herbes bleues ici. Ça, c'est pas une salle de save. C'est dit, fixé. Est-ce que je peux... Voilà, je peux me servir de ça. Voilà, d'accord, c'est bon, je me souviens. Il y a une salle avec du feu, il faut que j'éteigne le feu avec la... Avec la lance à incendie, c'est vrai. Hitchcock le retour. Ce qui est bien dans Hero 5, c'est qu'il n'y a pas trop d'énigmes. Du coup, je peux encore... Je peux gérer le truc, vous voyez, c'est... Ah oui, il y a les araignées, là. Non, casse-toi, s'il te plaît. On empoisonne pas, je t'ai rien demandé. Est-ce qu'elle m'a empoisonné? Bon, ça va. Bon, c'est pareil, les herbes bleues là-bas. Hein. Les herbes bleues, ce qui est bien, c'est qu'on peut les bouffer, normalement, en... sans les combiner avec une autre herbe. Du coup, c'est pas bien grave. Ah, c'est vrai qu'on revient carrément tout début. Je sais, il y a tous les filles du commissariat qui sont tous ramenés pour... Pour faire la fête, on imagine. On va combiner les balles. Alors, par contre, je sais plus où c'est la salle où on doit aller. Ah, bah, c'est là. Tout simplement, c'est là. Elle n'empoisonne pas, je crois bien. D'accord, ah, bah, si ça n'empoisonne pas, bah... Ah, bah, c'est bizarre parce que pourquoi il y a des herbes bleues alors? Est-ce que tu as le chocolat? 70%. Pff, je. Oui. Peut-être pas compris la vanne, mais fais gaffe parce que ça part sur YouTube après. Hein. Si j'arrive à le remettre sur YouTube, ça y va tout droit. Du coup, peut-être que je comprenne les vannes. Il y a des chiens normalement qui se ramènent là. Non? Non. Bon bah comme quoi, à ce moment-là, Claire et Léon sont au commissariat. Mais je pensais que ce jeu se passait 24 heures avant Resident Evil 2, je comprends pas là. Pas être commissariat, ou alors c'est pas vraiment en même temps, mais voilà, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a encore des herbes vertes là. Je vais les récupérer, je vais les prendre pour tout à l'heure. Je vais les garder pour moi, parce que je sais qu'à la fin du jeu, il est... Bah, c'est mon côté, voilà, j'aime bien tout récupérer, moi. Bon, je vais pas récupérer l'herbe verte qui traîne à un endroit en haut des escaliers, ou vraiment tout début à côté de la salle où l'on peut avoir les nouvelles tenues. Je vais quand même pas aller jusque là. Oh putain, non mais... Qu'est-ce qu'elle veut elle? Casse-toi! Putain mais... Je viens pas mourir. Je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. Qu'est-ce qui m'attend? Vous savez quoi? Je vais faire une save rapide. Que je n'utiliserai jamais bien évidemment. Hein. Tu vas dire au revoir à monsieur connard je crois. Mais putain, mais sans déconner quoi! Elle va me laisser la prendre cette saloperie là? Putain, un jeu de merde là! Mais. Y'a quoi ici à faire là? Pourquoi je vais là d'ailleurs? Y'a rien là! C'est quoi ça déjà? J'ai oublié. C'est quoi cet endroit? Ah oui! Oui, j'en souviens de ça. I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated him. But he was still conscious, wasn't he? Ouais. Mais lance-grenade. Putain, mais c'est vrai que j'ai encore une lance-grenade, putain, j'en suis jamais sérieux. Mais j'ai pas besoin d'une lance-grenade. Je sais qu'il y a un combat contre Nemesis qui est super chiant. Et en plus, ils sont difficiles, du coup, ça va pas m'aider. Ouais, d'accord, t'es occupé, ok. Pas te faire chier, hein. J'ai vu qu'il y avait un truc sur la table. C'est quoi ça? Non, je m'en fous du rapport du gérant, c'est pas ça que je veux. C'était ça l'objet? Bon, allumer l'écran de contrôle si tu veux, ça peut faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, j'en fous ça, j'ai pas envie d'acheter des trucs, moi, tu me prends pour qui? Euh...
D'accord, je reviens là. Il y a une porte là, non? Stockage de produits chimiques, l'accès au stock est contrôlé par l'ordinateur. Quel ordi? Oh putain, ça commence à me saouler ça. Tape aquacure sur le PC. Ah, sur celui-là de PC, putain, j'ai pas vu. Est-ce que je peux l'utiliser au moins? Voilà. Bon, j'imagine que le code était écrit dans la, hein, dans la cinématique. J'ai pas lu en fait ce qu'il y avait écrit. Pour me donner bonne conscience, je vais dire qu'en fin de compte, je l'ai peut-être trouvé. À quoi? D'accord. C'est quoi ce vieux clavier et la porte alphabétique? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, en fait, il n'y a pas d'espace. Ok. Il y a un bouton pour quitter, un bouton pour revenir en arrière, un bouton pour entrer. C'est. Putain de clavier de merde. Quoi. Correct, c'est formidable. Pourquoi tu m'as dit qu'il y avait un truc qui allait m'attendre là maintenant? J'ai un peu peur là. Ah oui oui c'est bon. Là il y a masse de zombies ici. Et j'ai pas masse de balles par contre. Par contre je sais qu'on peut tirer sur... Qu'on peut tirer sur ça. D'accord c'est... Et puis un R2 pour viser les balles. Donc là on a 1 litre de bégon vert. Hein, vous appelez ça l'additif, moi j'appelle ça du... Vous savez, là, le truc de pointer les chiottes, quoi, c'est pareil, quoi. C'est exactement ça. Pour rien, il y a un truc qu'on m'explique, c'est que là, il y a des zombies qui vont se ramener. Mais l'autre, il est parti, donc c'est ça. Ah, le mélanger avec le bidon d'essence, c'est bien ce qui me semblait. Ah mon dieu, ça fait peur. Bon, alors attendez. Ah mais attendez, mais elle vise là-bas, cette conne, là. Putain, mais il est con, ce jeu. Elle vise le... l'autre valve. Bah oui, formidable, qui est très 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 bonne idée ça. Pourquoi l'autre il tape un sprint sur moi? Je lui ai absolument rien fait quoi. Bon c'est pas grave, on se casse. Il y en avait un ici, je sais plus tout ce qu'il fait là. C'est pas grave, allez. Ah, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté parce qu'elle a même pas daigné viser l'autre... Bah celle qui est en face d'elle quoi, tout simplement. Je pense que le commun des mortels aurait agi comme ça. Je vais mourir, je vais me faire tuer. Et je n'ai absolument plus de vie. Est-ce que... Là, s'il y a des saloperies dehors, c'est mort, hein, par contre. Hein. J'ai plus de vie. Mais non, j'ai plus de vie. Je suis en danger. C'est formidable. Il va me tuer. J'en étais sûr. Mais j'ai pas eu de chance. C'est moi, il est en train de... Non, je vais rien dire. Bon, vous savez quoi? Allez, je vais pas, hein. Je suis un peu fait arnaquer tout à l'heure. Attendez. Ouais, non, je vais pas tout me retaper, je vais pas tout me retaper quoi. C'est un putain de jeu de merde qui aime pas foutu de me viser correctement une cible quoi. Alors là, je vais encore crever, donc j'imagine. Non. Putain, mais ça m'énerve cette saloperie là. C'est pas grave, j'ai encore toute ma vie. Mais regardez comme ça marche, ça n'a absolument qu'un sens ces conneries là. Putain, ça me saoule. Bon, on zappe les scènes cinématiques, on va retaper à quoi truc là.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'on... Merde. Je vais pas rentrer au rap en plus. Déjà, j'ai mes mises à jour Windows 10 qui viennent d'apparaître, c'est formidable. Je n'ai absolument rien demandé, mais c'est super. Mais quoi? Pourquoi ça marche pas? Ah. Mais oui, mais j'aurais dû venir à... C'est vrai. Ah, attends, pourquoi ça marche pas? Peut-être que je lis ça avant, non? Que j'ai... Non, je pense que le jeu, en fait, se donne bonne conscience quand je lance le l'écran de contrôle. Est-ce que c'est écrit, en fait, Aquacure? Non. Elle avait pas la même robe tout à l'heure, non? Elle était pas bien en rose tout à l'heure. Quoi? Comment ça, elle a changé? C'est plus à quoi? À quoi? Non, me dis pas ça. Putain, c'est pas ça le mot de passe. Non, sans déconner. Bon, alors attends. Attendez. On va. Donc, le mot de passe, il est dans la cassette, non? Cette merde là. Il va y avoir un truc là. Ah voilà, c'est ça, Spring, d'accord, c'est le... C'est bon, putain, j'ai compris l'énigme. Ah bah tu en peux, tu me l'as mis dans le... Dans le truc, là. D'accord, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre, elle a changé carrément sa tenue, cette conne. Donc, ça... Putain, c'était plus facile d'écrire l'autre truc, hein. Save... Print. Print, d'accord. S-A, attendez, S-A-F-S-P-R-I-N. P. Putain, mais sans déconner, mais je suis vraiment un connard moi aussi, j'arrive pas à écrire. En plus, je joue avec le joystick de la 360. C'est pas terrible, honnêtement. C'est pas. R-I-N. De toute façon, je peux pas rentrer d'autres lettres, non? Elle est correcte, c'est super. Blablabla. Vous savez quoi, je vais utiliser le CSS jusqu'à la fin, en fait, je m'en fous. Hein, j'ai juste envie de finir ce jeu de merde, quoi. Non, c'est un très bon jeu, honnêtement. Honnêtement, je m'amuse bien, quoi. Mais oui, mais j'insulte tout et n'importe quoi, mais oui, je m'insulte toi-même, mais c'est super, c'est ça. Il est 1h25 du mat. C'est... Déjà, j'espère qu'elle va tirer sur cette valve. Et sur la bonne cette fois-ci, parce que, bon. Là, l'esprit. Les zombies qui tapent des sprints, honnêtement, ça... C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça... Si, j'aime pas ça, en fait. Hein, je déteste ça. Donc, bon, on a compris qu'il y avait des zombies, hein, ça, c'est super. Je peux même pas zapper, si je peux. Alors. C'est peut-être qu'en fait, j'étais trop près de l'autre. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça, en fait. Déjà, ça va en dégommer quelques-uns. Eh les gars, on se ramène. À moi, est-ce que je passe en douce Non, je passe... Putain, je voulais passer en douce, mais en fait, non. Ça va être sympathique pour esquiver... Mais... Ah, mais lui... Ah non, mais lui, c'est le... Il est hardcore, lui, hein. Voilà, on esquive, allez, on se casse. Et les violents zombies, hein. Alors lui, il est... Lui, il va tout prix me bouffer, hein. Alors attendez, par contre, là, comment je vais faire... Si, je vais essayer un truc. Vous allez voir, un truc formidable. Au point où on en est, de toute façon, hein, ça va partir sur une safe state, ça. Je vais essayer de les buter avant que... Ceux qui se trouvent derrière me rattrapent. Enfin, au moins les mettre à terre. Voilà, si je peux au moins les coucher. Sans que elle, par contre, ne me chope. En fait, faut surtout pas que je tombe dans le rouge. Putain. J'ai dit surtout pas dans le rouge. Bon, là, je suis mort là. Je suis entièrement mort. On va recommencer. Bien évidemment, elle tape ceux qui se trouvent derrière et pas ceux qui se trouvent devant. Ça me
pouvait être le meilleur choix qu'elle pouvait faire, hein, d'ailleurs. Je pense que je devrais peut-être un peu sortir le fusil à pompe, maintenant. Hein, j'ai assez de balles. Mais qui elle vise, là? D'accord, elle vise. Ah, j'ai pas vu lui. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu par terre. Et elle non plus, je l'ai pas vu, bien évidemment. Hein, voilà. Et du coup, je suis encore dans le rouge et c'est super. Je vais jamais passer ce passage. Non, 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 je visais celui qui se trouve devant là, les gars. Mais pourquoi il se tape des. Je peux pas faire ce passage là. C'est pas possible. Je vais tenter parce que voilà. Pour le sport, mais. Replay. J'aimerais bien, alors honnêtement, non, là j'aimerais juste avoir un peu de vie, quoi. C'est pas possible de sortir d'ici sans se faire toucher, non? C'est interdit, je sais pas, c'est. Ah, attendez, là on est bien, là. Là on est bien. Faut juste que je sorte là, parce qu'en plus là il y a des connards dehors, en plus, c'est ça le pire. Et c'est ça le prix là qui vont m'attaquer, j'en suis sûr et certain. J'ai rien pu faire. Je peux rien faire. Si, je peux aussi arrêter de jouer comme une buse. Possible. Attendez, là on va essayer. Ah, elle fait des esquives quand même, hein. Ok, bon là j'ai aussi. Ah, il y a les médis sur le retour aussi. Super. Ok. Bon, attends, vous savez quoi? On va faire un truc. Voilà, on va carrément revenir. Bah oui, bien évidemment, je vais sur la créature. Comme ça. Ça me semble tout à fait logique, non. On va se retaper celui-là de truc. Mais pourquoi à chaque fois elle se retourne sur le truc là? Putain de merde. Sans déconner. Et mes deux saves elles sont corrompues quoi. C'est n'importe quoi. Je vais retourner ici, je vais prendre le fusil à pompe. Parce que là, c'est absolument n'importe quoi. Alors par contre, là... Oui, je vais aller prendre des armes et des soins et je vais les défoncer, quoi. Faut juste que je trouve la dernière... Enfin, la save la plus proche, elle était où, par contre? Bah, elle était juste là. J'aurais dû faire ça dès le début, en fait. Alors, herbe bleue, déjà ça va dégager. On va prendre un spray, vous savez quoi, c'est pas grave. On va prendre le fusil à pompe et ses munitions. On va prendre... Je vais pas faire péter le magnum encore. Je le garde un peu. Parce que là, ça va encore, c'est pourri ça, c'est vraiment des ennemis de merde. Par contre, je sais plus si on peut faire des balles de fusil à pompe améliorées. Ah, j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est possible? Ah ouais, j'ai posé les herbes bleues parce que c'est n'importe quoi. Mais tout partait d'une très bonne intention à la base, hein, les herbes bleues. Et vous savez quoi? Je vais refaire exactement les mêmes saves au même endroit. Voilà, au moins c'est fait. On va prendre le fusil à pompe. Et là, le premier qui me casse les couilles, headshot, hein. Je suis pas encore non, en fait, je pensais que j'étais là, mais non, il y a encore une partie inutile.
Pourquoi elle vient pas directement la créature? Qui j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Ah bah oui, bien sûr, le poison, bien évidemment. Ouais, là c'est du troll. Mais je sais, bien sûr qu'il faut recharger ses munitions, mais bon. Là j'ai pas eu de problème là, depuis tout à l'heure. Non, moi je vais m'occuper du... m'équiper, pardon. Du fusil à pompe. Bah oui, parce qu'en plus elle nous crache dessus, c'est saloperie là. Ah, comme quoi j'ai des... Comme quoi je m'étais pas trompé, hein, ça sert les balles de... balles de fusil à pompe. Ah, c'est peut-être sur ça en fait que j'ai tiré sur ça en fait, là. Tu fais quoi? Tu meurs là? On sait pas. Voilà, c'est bien. Voilà, là c'est beaucoup mieux maintenant, hein. Tellement mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot de passe cette fois-ci? Allumer l'écran. Adraville. C'est quoi ça? Ça, c'est... je sais pas ce que c'est. Alors. Adraville, ça fait un peu nom de... genre de la pommade qu'on se met quand on prend un coup. Mets de la Draville, mets de la Draville si t'as des bleus. C'est ça sent bien. Bon, par contre, ça ressemblait quand même à un tube de colle. Hein, donc, ou à un truc qui soigne des maux de gorge. De la Draville. Ça sonne bien. Ouais. Ça sonne très bien. Alors, on va encore se retaper. Ah, mais j'aurais dû aller au fusil à pompe ici en fait. Hein. J'ai trop voulu économiser mes munitions de fusil à pompe. En fin de compte, bah, j'ai un peu fait le con quoi. Donc, avec 52 balles. Normalement, j'aurais peut-être pas dû économiser. Potentiellement pas SD, ouais. Exactement. Allez, on a compris, les zombies qui vont se ramener, les gars. C'est bon. Bon, même punition, peut-être gérer un peu la souris de l'écran, ça fait mal à personne. Et le premier qui se ramène, il va prendre cher, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah mais oui, il veut, il court le gars. Ah non, c'est pas la bonne touche. Voilà. Équipé du fusil à pompe. Allez, ramène-toi si tu veux. De toute façon, je vais t'éclater. Ah, il y en a encore. Ça m'énerve, ça. Boum. Ça fait bien, ça. Ça fait du bien, ça. C'est tout ce qu'on aime. Toi aussi, tiens, pour la peine. J'ai dit pour la peine. Et le gars, il va me foncer dessus, quoi. Bah, pour la peine, bah, je vais te laisser en vie, tiens. Tu resteras dans ta misère. Il finira par clamser de toute façon parce qu'ils vont se prendre une bombe nucléaire. Allez, boum. Et reboum. Ça c'est cool ça. Vous avez pensé à un slogan de McDo. Ouais, c'est tout ce qu'on aime. Ben voilà. Et du seul sait que je connais McDo, hein. Je peux vous dire que... j'ai taffé là-bas et je vous déconseille de travailler dans cette boîte. Mais ça enchaîne là. Voilà. Voilà ce que l'on a dû faire tout à l'heure. Toi aussi, espèce de connasse. Voilà. Tu dégages. Ce serait cool qu'on fasse ça avec Nemesis. Headshot. Voilà, dans sa gueule. Oui. Voilà, venez comme vous êtes. Non, non, je suis désolé, non. McDo, non. Oui, venez comme vous êtes. Et après, voilà. Quoi, c'est... bossez jamais dans cette boîte de merde. Quoi. Tout ce que je peux vous recommander quoi. Bah parce que si vous avez perdu votre âme, allez bosser là-bas quoi. Mais là-bas vous n'avez pas plus de vie sociale. Pas plus de vie du tout d'ailleurs. Et vous allez rencontrer vous allez bosser avec des gens qui se la pètent parce qu'ils arrivent à cuire un steak sur un grill.
qui font des Big Mac. Bon. Ça, c'est l'endroit où j'ai bossé, hein. Oh non, putain. Qui veut, lui? Ouais, bah Stars 20, d'accord, hein. Je vais me casser, je vais aller au... je vais tout de suite aller... je vais pas aller tout de suite parce qu'on a... On a une séquence avant. On a Moré de retour, mais oui, mais je le déteste. Alors attendez, qu'est-ce que je fais là-bas? Je sais pas. Ouais, je vais faire une C pour la science. On va faire genre qu'on a sauvegardé, quoi. Putain, je suis en train d'utiliser les save states, mais... Je m'étais promis d'utiliser les sauvegardes, mais bon. Quand vous faites un live... Voilà. Là, par exemple, s'il y a fait code Veronica, il n'y a pas eu besoin d'utiliser le save state, parce que le jeu est facile. Alors, on va mélanger avec le bidon d'essence. Encore faut-il savoir où je l'ai foutu. Voilà. Un mélange d'huile. La manivelle. Je vais la jeter pour le moment. Ça, je vais le poser parce qu'en fin de compte, j'ai encore un. Sur le chemin, il y a... Attendez, sur le chemin, est-ce qu'il y en a encore un? Merde. Bon, c'est... Non, je vais tout prendre. Je vais Oui, on va tout prendre, je suis forcé. Je vais forcément y aller de toute façon, donc c'est pas grave. La cave d'alimentation et on y va. Ouais, il y a une save room. C'est vrai. Putain, je suis en danger là. Alors, tu vas avoir un choix. Si c'est un choix dans le tramway, normalement il est pas compliqué à faire. Et puis. Non! Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est derrière moi ce con. Mais c'est quoi ce trou du cul là? Mais sans déconner. Je vais me faire. Il va pas m'éclater en fait. Pourquoi il dit Stars là alors qu'on le voit pas? Peut-être que c'est les corbeaux qui disent Stars, je sais pas moi. Ah oui, remonter, oui, c'est vrai, là pour la. C'est ici que. J'en ai le. La voiture hantée là. Alors ça c'est n'importe quoi, sans déconner. Allez, bouge-toi, donne-moi le choix. Moi je trouve ça ridicule ce truc. La merde, y'a pas écrit remonter, putain je fais quoi? Bon je vais faire monter, tiens. Je sais plus ce qui se passe si on tombe. On se tape le boss ou pas? Ah attendez, y'a un truc dedans ou pas maintenant? Ça j'aimerais bien savoir ça. Bah, apparemment non, tu tombes un peu les bébés. Les animations, je me dis que dans Code Veronica. En train de réfléchir. Peut-être. Ça c'est quoi ça? Herbe bleue. Ah oui, ça c'est les herbes bleues qui restent comme ça là, qui sont fixes. Ça c'est cool, il y en a quand même qui. Voilà quoi, qui pousse un peu éternellement. On va prendre une vie. Voilà, on va bouffer l'herbe. Et c'est reparti. Par contre, ça m'étonne que j'ai aussi peu de rubans encreur. Ah, bien meilleur. Ah, autant pour moi, j'ai vu l'inverse. J'ai vu que c'était mieux dans Code Veronica. Mais pourquoi il ouvre les portes, lui, putain. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, alors. Oui, oui.
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Bon, par contre, le DBZ, je pensais qu'il serait là un peu plus longtemps. Je vais peut-être pas trop ramener ma gueule parce que je sens qu'il va arriver, donc bon. Ouais, bah pour le moment on va aller là-bas. Hein. Vous savez quoi? On va pas s'emmerder. Non, putain, qu'est-ce qu'il fait là lui? Il vient jusque là? Je sais qu'il y a le boss maintenant là. Vous savez quoi? Allez, on va mettre ça sur le 1, on va mettre ce live, pardon, je suis en train de bégayer. Ce live sur le signe de l'esquive de Nemesis, parce que je me débrouille quand même pas mal. Et sur la safe state aussi. Hein. J'ai envie de dire, c'est quand même un bon mélange. Hein. Vous m'aidez pour les énigmes, moi je sauvegarde. Ah, c'est honnête, non, je trouve ça super honnête. Et d'ailleurs, ben ça me va, honnêtement, ça. Bah oui, c'est le boss. Non, mais là, il y a encore un boss là, il y a un ver de terre là. Un ver de terre de merde là, qui va venir, qui ressemble à rien, enfin, qui ressemble à quelque chose, j'ai bien une petite idée. Mais voilà, là elle va tomber. C'est même pas un. Pff, ouais, enfin pour moi c'est un. Oui, je dois juste activer deux boutons. Mais il me semble qu'on peut le buter ce truc. Baissons une échelle. C'est pas faux. Je te l'accorde en effet. Donc faut activer ce premier bouton là en premier, il me semble. Ce premier bouton là en premier. Ça fait de la répétition. Allez, mais reste pas comme une cruche devant le mur, qu'elle déconne, elle aussi, là. Putain, mais sans déconner, mais... Qu'est-ce qu'elle est vraiment conne, cette femme, aussi, là? Un groupe électrogène. Oui, je veux allumer le groupe électrogène. Allez, allez, mais mets-toi sur le bouton, s'il te plaît. Tu as un interrupteur, blablabla... Quoi? Ah oui, il y a encore un bouton, c'est vrai. C'est vrai. Oh putain. Ouh, ça c'est beau ça. Allez, mais pourquoi il va pas sur... C'est bon. Ouais. Pourquoi ça marche pas? L'interrupteur qui commande l'échelle. Il faut de l'électricité pour. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Donc, courant rétabli. Il y a un truc que j'ai pas fait là. Est-ce qu'il va arrêter de me bouffer lui? Sans déconner. Mais j'avais. Mais je l'ai pas activé d'ailleurs le bouton! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment qu'il y a les safe state quoi! Putain! Mais je l'ai. C'est bizarre ça! Je suis persuadé que je l'ai activé d'ailleurs le bouton! J'en suis sûr! Bon, c'est pas grave, on va se retaper le truc hein, c'est pas un souci ça! Dégoûté. Allez, on va se retaper cette connerie là. Alors t'as le groupe électrogène, voulez vous l'activer? Oui, là je l'allume. Bah, c'est bon donc. On a activé celui-là. En rétabli. Bah oui, le courant rétabli, mais alors.
T'as y a un truc que je comprends pas là. Il y a un truc qui est pas pété. Attends, y a un truc qui est pas pité là. Ah mais je l'ai pas activé ça. Mais je reviens pas de là. Mais je viens d'où alors? Ouais mais attendez, là on va spammer le bouton. Voilà. Mais j'ai pas... Attendez, mais en fait je comprends rien du tout à la salle. Je viens d'où en fait, j'ai pas compris. J'ai pas pité ce que j'ai fait mais c'est pas grave. Mais j'ai très bien qu'il faut activer deux boutons mais oui. Ah putain, bon. On a quand même réussi à faire le premier chapitre. Hein. Ouais, c'est bien sympa pour ce premier live. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on tombe du plafond, c'est vrai, autant pour moi. C'est vrai, ça tient. Alors, j'espère que j'ai tout, par contre j'ai rien oublié. Là pour le coup je l'aurai un peu profonde. Oh lui, on va t'y crever.